Ok, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Bonne arrivée à vous. À ce NMK, nous allons prier le Seigneur. Prions. Seigneur, merci. Nous te rendons gloire et grâce pendant que nous ouvrons ce nouveau camp et nous prions que tu nous donnes la force d'enseigner ton peuple. Mais surtout, sois toi le Saint-Esprit, viens nous bénir. Et je prie que tu attires tout le monde, tous ceux qui doivent être à ce camp, qu'ils viennent massivement, qu'ils prennent des permissions, qu'ils viennent et qu'ils soient impactés, que leur vie ne soit plus jamais la même. Viens nous aider à faire l'œuvre de Dieu, viens nous aider à aller en profondeur avec toi, viens nous aider à ouvrir 100 églises pour toi cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Le thème de ce camp-là, c'est « Comment ouvrir 100 églises en 2022 ?» Comment l'église, 100 micro-églises, 100 micro-églises en 2022. Il faudrait qu'on ouvre ces églises-là. Yes. Comment ouvrir 100 micro-églises en 2022? Amen. Alors, écrivez que pour ouvrir 100 églises, il faut devenir fort. Il faut être un chrétien fort et un chrétien oint. Ou bien écrivez pour vivre sans église, il nous faut l'onction, il nous faut devenir fort. Il nous faut l'onction, il nous faut devenir fort. Alléluia. Amen. Donc à ce temps, je vais utiliser trois livres. Ah, vous n'avez pas oublié d'écrire ça. J'ai utilisé trois livres. J'ai utilisé comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Je vais utiliser ça. Ça coûte 1000 francs à la bibliothèque. Vous pouvez payer. Tout ce que j'ai dit est dedans. Mais il faut enregistrer parce que c'est des points. Mais les explications, les exemples, c'est pas forcément dedans. Amen. Je vais utiliser l'autre livre, Loyauté, déloyauté. Mais je ne sais pas comment j'ai utilisé les livres. Hein. Voilà, selon que Dieu va me dire. Et je vais utiliser notre livre, Loin et son onction. Les trois livres que je vais utiliser. Parce que si tu veux ouvrir une église, là maintenant il faut écouter. Si tu veux ouvrir une église, ne vous en faites pas, tout enregistrer. Ils vont tout enregistrer. On peut vous donner. Ils vont mettre ça sur la page. Ok? Ils vont, vous pouvez enregistrer, c'est pas grave. Pouvoir ouvrir l'église là, il faut être oint. C'est l'onction qui ouvre l'église. Regardez, actuellement là, on a combien d'églises? 32 églises. Ça, c'est avec ceux qui vont s'ouvrir. Mais il y en a encore 6 qui ne sont pas encore ouverts. C'est pas ça? Donc 32 moins 6. 26. C'est ça, non? Donc, on a 26 églises en ce moment qui fonctionnent tous les dimanches. Avec un pasteur chaque église. J'en mets deux. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui a fait ça? Au bout de 5 ans de ministère, qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce parce que je suis joli? Il y en a qui sont plus jolis que moi. Est-ce parce que je suis puissant? Il y en a qui sont plus puissants que moi. Et c'est parce que j'ai l'argent. Je ne trouve pas l'argent. Je suis d'une famille pauvre. Amen.
Elle s'est passée si elle est à l'école. Non, il y en a qui sont à l'école plus que moi. Mais la chose, c'est l'onction. Amen. Tout ce que vous voyez ici, que nous avons fait, ça vient de l'onction. C'est pour ça, quand j'ai parti prêcher une fois, dimanche dernier, j'ai dit aux gens, l'onction est la chose que tu dois rechercher de tout ton cœur. Quand tu vois un homme de Dieu, il ne faut pas regarder son argent. Il va te donner si peu. Mais ce n'est pas ça qui est la chose. Il faut chercher quoi? L'onction. Et je vous disais, Kenneth, comment il s'appelle? L'archevêque Duncan William. Il priait pour un de ses fils qui était le prophète. Le père spirituel d'Ali Chekinala. Le prophète Kwasi Boateng. Kwasi Boateng, au Ghana, c'est un dieu. Yes. Il fait partie des prophètes majeurs. Il priait pour lui. Le gars, chaque fois on voit sa dîme, il prie pour lui. Chaque fois, il vient lui donner l'offrande, il prie pour lui. Il ne parle pas. Il est en train de tester le gars. Au bout d'un temps, quand le gars vient, il a dit, rentre dans la chambre. Tu vas voir deux choses. Il faut prendre un. Tu vas venir. Il n'a pas dit ce que tu vas avoir dit. Tu vas avoir deux choses sur la table. Prends un. Il a prié toi. Il a prié pour toi. Choisis un. Le gars rentre dans la chambre. Puis voit une bouteille d'huile. Et puis voit une montagne d'argent. Amen. Il a pris l'huile là. Quand il est sorti là-dedans, son père lui a dit, c'est une tu veux. Il dit oui. Il dit, c'est ça là tu veux. Il dit oui. Il dit, tu es sage. Et puis il a oint. Depuis ce jour-là, Boateng, les milliards, les fils spirituels. Quand ils l'ont invité ici, là, c'est pas petit jeton qu'ils lui ont donné. Si ce jour il a pris l'argent est fini. Mais l'onction, ça se régénère. Ça attire des gens. Tout ce qu'un homme de Dieu a, ça vient de l'onction qu'il a. Tout. Il vous faut l'onction. Yes. Dis à quelqu'un, il te faut l'onction. Moi, comment j'ai été oué? J'ai été oué le jour où on me consacrait. Pour la première fois. On te oué plusieurs fois. Il y a plusieurs niveaux d'onction. Quand tu es fidèle dans la première, Dieu augmente. C'est comme ça. Dieu ne te oué pas en même temps que tu es devenu prophète. Ou bien une prophétesse internationale. Non. Prophétesse de cellule d'abord. Tu n'es même pas fidèle dans ça. Qui va te faire prophétesse d'église? Cellule, ils ont ouvert là. Tu viens aujourd'hui. Tu ne viens pas demain. Quand il y a funérailles, tu laisses cellule là. Tu t'es au funérail. Quand quelqu'un est malade, tu laisses cellule là. Tu t'en accompagnes à l'hôpital. Petit problème. Toujours dans te remplacer. Tu n'es pas fidèle. Qui va faire de toi un pasteur ou un prophétaire d'église? Donc, ma première fois que j'ai été oint, c'était au Bichon Adam. On nous consacrait. J'étais à l'hôtel. Et puis Bichon passait. Et il nous touchait. Les gens tombaient. Moi, je ne suis pas vraiment tombé. Je me suis agenouillé. Mais j'ai senti une force entrée dans mon ventre. Et depuis ce jour-là, ma manière de prêcher a changé. C'est pour ça que tu es là quand même, Seigneur. C'était le premier niveau d'onction. Ça m'a permis d'atteindre un certain niveau jusqu'en 2007, en 2010. Mais comme je n'ai pas exercé le ministère, en 2010, en 2012, en 2013, je n'ai pas exercé le ministère. C'est en 2014 qu'il a commencé à exercer, à travailler en plein temps. Donc, il a travaillé en 2014, 2015, 2016. Dieu a vu ma fidélité. 2017, je me souviens, en rêve. 4 ans après des années de fidélité, en train de suivre les âmes, prier pour les gens, faire les veillées, jeûner, prier, faire l'œuvre de Dieu, donner l'argent à l'église. 4 ans après, c'était dans un rêve, on était dans une salle comme vous, comme ça. Et puis il y a un monsieur qui est venu. Il dit, lui, il est un ange que Dieu l'a envoyé. Et puis il m'a dit, toi, viens. Il était le seul qui l'a appelé, toi. Viens. Puis il dit, ouvre tes mains. Puis il a versé l'huile dans ma main. Il dit, je te oins pour que tu baptises beaucoup d'églises.
je ôte tes mains. Acclame ça, mais acclame le Seigneur. Quatre ans après, alléluia. Amen. Yes. Et j'ai commencé à travailler les églises, amen. J'ai commencé à travailler. Notre première église qu'on a ouverte, c'était Yopougon. Les gens ne voyaient pas ça en église. Mais moi, ils voyaient, ils savaient ce qu'ils voyaient. La personne que j'ai envoyée là-bas, c'était sa première fois de prêcher. Le jour où il a prêché, là, c'était dans l'église. Ça peut arriver à quelqu'un ici. Ouais. Au début, il ne comprenait pas. Mais il ne sait pas que c'était une opportunité. Écoutez-moi très bien. J'ouvre une parenthèse. Chaque fois que je t'envoie, même si je n'étais pas formé, ne vois pas que je suis en train de te liquider. Vois ça comme une opportunité que je t'ai donnée pour que tu puisses monter. Dis amen bien. Mais le majeur aujourd'hui, il fait partie des pasteurs majeurs de la Mièvre. S'il n'avait pas cette opportunité, où il serait aujourd'hui? Yes. C'est pour ça qu'il y a un homme, tu ne l'as pas, il ne sait pas que c'est une opportunité que tu leur donnes. Dis amen bien. Écoute, ce que je vois là, tu ne vois pas. Donc quand je t'envoie, il faut que tu saches qu'il y a quelque chose que je sais, que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. Appelez-moi Élisée. Il fait quoi? Amen. Suivez. À la croix, mon pasteur. J'ai commencé, suivi ici, j'ai commencé à ouvrir. Jusqu'à j'étais arrivé à 11. 11. Et ça valait 11 même. 11 ou 10, je me souviens. Et j'ai commencé à faire les veillées, les 24 heures de prière. Et au bout de 24 heures, en 2020, non, en 2017, on m'a oui, non. J'ai travaillé. En 2020. C'est en 2020 ou 2021. 2020. Ils sont venus me voir. On dit, tu as besoin d'une nouvelle onction. Puis ils ont fait celui sur ma tête encore. Depuis ils ont fait celui sur ma tête là, l'église a changé. L'église a changé. L'atmosphère a changé. Tout a changé dans l'église. Avant, c'était dur pour avoir l'argent. Maintenant, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur. Il n'y a pas de pour l'église. Hein. C'est pas trop dur. Même pour moi-même. Avant, devant mon pasteur, puisque quand il me demande, il n'y a pas l'argent. Elle dit, la galère, là, ça casse à partir. Mais depuis 2017, on est dedans. Tu dis pas, hey. Et quand cette année m'a dit, en tout cas cette année ça va. Par rapport aux autres années. L'année passée m'a dit, en tout cas ça va mieux. Par rapport aux autres années. Qu'est-ce qui a fait ça? L'onction. Dès qu'ils ont mis l'huile sur ma tête. Tu sais, quand on met l'huile sur ta tête là, c'est comme si on vient te donner une promotion et puis le monde te traite en fonction de cette promotion. Tout à l'heure, on t'a nommé ministre là. Les gens qui ne s'abaissaient pas devant toi, comment ça s'abaissait? Est-ce que tu comprends? Tout à l'heure, tu as changé de maison. C'est bizarre. Hein? Tu es la même personne. La même personne, les mêmes défauts. Mais le fait qu'on t'a nommé là, tu changes de quartier. Il y a protocole, il y a cuisinier, il y a voiture. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas moi. Hein? C'est toi qui es. C'est toi. Mais il y a une nouvelle onction, ils ont mis sur toi. Donc, on doit te traiter en fonction de ça. Il y a une nouvelle onction qui a tombé sur quelqu'un avant la fin de ce temps. Et sa vie ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi je vous dis, l'ingrédient majeur, c'est l'onction. Soyez focalisé dessus. Ne laissez pas quelqu'un vous détourner de ça. Quelle onction? L'onction ne se trouve pas au ciel. L'onction se trouve sur la terre. L'onction se trouve sur un loin. Et parmi vous là, qui est le plus loin? C'est moi. Qui a votre loin? C'est moi. Donc l'onction se trouve sur moi. C'est toi qui dois rester. Tu dois prendre ça. Sinon, en ce qui me concerne, je vous donne ça chaque jour. Je vous impose les mains. Je mets une sur vous. Mais alors, ils sont toujours huileux. Comment est-ce que tu es huileux? Parce que quand il met une sur toi, il ne voit pas le changement. Dans ta manière de prêcher. Dans ton église, dans tes cellules, il ne faut pas les changements. Ça veut dire que l'onction ne va pas tomber sur toi.
Alléluia. Mais je crois que après ce programme, donc le dernier jour, j'ai honte déjà. Ça, c'est un culte de transfert d'onction. C'est un camp de transfert d'onction. Il n'y a pas de gens qui te pour te dire amen. Le vendredi, là. Donc, pour rappeler, vendredi, on arrête à midi. Le soir, on a veillé. Donc, vendredi, à partir de 11h, je commence à transférer l'onction. Je prends une huile sur toi. Si toi, tu t'es pas disposé que tu es huile, c'est ton problème. Moi, il a libéré l'onction. Et la vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. La vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Amen. C'est pour ça, quand vous priez là, Bishop Dag disait, il dit, les gens ouais, ne demandent pas l'argent quand ils prient. Vous croyez-moi, hein? Il a commencé quand même comme ça. Hein? Les gens ouais. Je vous ai dit, il y a deux trucs. C'est-à-dire que pour ouvrir les 100 églises, il faut être fort. Donc, il y a le côté onction et puis il y a le côté fort. Comment devenir un chrétien fort? Il a parlé ça. Et comment devenir un chrétien loin? Il a traité loin et son onction. Mais c'est ici l'onction actuellement là. C'est une introduction. Après, il y a même pour l'introduction, puis il a commencé. Il a dit ça quoi? Écoute-moi bien. Les gens ouin ne prient pas pour l'argent. Hein? Écoute-moi bien. Ni pour le matériel. Oh non, non, non. Même ni pour mariage. Si tu es là, tu pries pour mariage, tu n'es pas encore ouin. Crois-moi, les gens ont un prix pas pour ça. Quand tu es ouin là, ça sent ta mentalité. Oh yeah. C'est pas de ça que tu as besoin. Tu pries pour autre chose. L'église n'a qu'à grandir. Dieu n'a qu'à offrir tes yeux. Il n'a qu'à la sagesse. C'est la chose que pour ça tu pries. Et pour le reste, à Dieu te donne. Et c'est pas faux. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Tu me vois rarement prier pour l'argent. Rarement. Mais quand je te prie pour l'argent, c'est pour l'argent de l'église. C'est l'onction qui fait ça. Demande à ton voisin, tu es ouin. Tu penses que tu es ouin. Demande-lui, est-ce que tu penses que tu es ouin? Parce que toi, hier, mais tu pleurais là. Parce que tu n'avais pas l'argent là. Yes. Si. Papa disait ça. Il dit, lui, c'est rare. Il dit, c'est pas. Depuis combien de temps là, il ne prie pas pour l'argent. Tu es ouin. Les gens ouin. Prie pas pour l'argent. Non, non. L'onction t'amène à prier pour autre chose. Donc le signe que tu n'es pas ouin, c'est quand tu passes ton temps à prier pour l'argent, mariage. Non, tu n'es pas ouin. Je n'ai pas dit que non, si y a problème dans ton foyer, il ne faut pas prier. Tu peux prier les esprits de palabres qui sont dans ton foyer, il faut les arrêter. Amen. Mais je veux dire, ce n'est pas ça matin, midi, soir. Il y a ton cœur brûle pour autre chose. Voyez-vous, tu veux plus de capacité pour vivre plus d'église. Tu veux être plus utile dans ton église. Tu veux être plus utile à ton pasteur. Tu veux que Dieu t'utilise plus. Tu veux connaître mieux Dieu. Aïe! Et tu pleures pour ça. Yes. Ton cœur bat pour ça. Allez. Donc pour avoir l'onction, il faut être fort. Tu as mis un peu de café. Pour avoir l'onction, il faut être fort. Donc on va commencer par ça. Chapitre 1. C'est ça, non? Chapitre 1. Comment vous pouvez devenir un chrétien fort? Quoi? Non. Oui, donne ça à ceux qui... C'est qu'il faut aller faire quand même. On n'expose pas le marché comme ça. J'ai dit, les paniers là, c'est pas pour mettre les papiers vides dedans. Hein. C'est pour mettre l'argent. Dis ça à ton voisin. Non, on a mis ça là pour que toi tu mettes tes papiers vides dedans. Regarde. On n'est pas en direct, non?
Il est où? On n'est pas en direct, non? Non. Ok. Super. Voici du orange avec moi. Amen. Un petit orange. Amen. Qui a bien dit d'entendre ça? Amen. Donc tu peux payer, ça c'est 1000 francs. L'été de l'été aussi c'est 1000 francs. Et puis, loin sur l'onction aussi ça donne 1000 francs. Alors, chapitre 1, c'est ça? Comment vous pouvez devenir un chrétien fort? Leçon 1. Leçon 1. Mais c'est leçon 1. Et puis ensuite chapitre. C'est leçon d'abord, puis chapitre. Le chapitre se trouve dans la leçon. Leçon, c'est le grain. Mettez leçon 1 alors. Leçon 1. Comment on pourrait devenir un... Au lieu de mettre chapitre, mettez leçon. Maintenant, en bas, maintenant, mettez chapitre 1. Oui, non. Ils ont oublié déjà. Il y a longtemps, ils sont partis à l'école. Pas facile. Dis à ton voisin, main est dangereux. Notre pasteur de mandat à 16h. Même à Bobo n'est pas dangereux comme ça. Je me demande, il travaille combien de temps? Et puis il dit que quand il voit pas les papas. Il dit, mais tu dors à 16h, tu quittes d'abord à 15h, tu vas voir les papas. Et ils viennent à 18h du travail. Allez. Dis à ton voisin, moi, il est dangereux. Alléluia. Tu ne comprends pas quand tu m'as dangereux là. Hey. Écoutez. Bon, attends. Ce que signifie d'être un chrétien fort. Ephésiens 6, 10. Quelqu'un a lu. Ephésiens 6, 10. Chapitre 1. C'est le chapitre 1 maintenant. Ce que. J'espère que vous avez compris. Leçon 1. Comment vous pouvez devenir chrétien fort? Chapitre 1. Ce que signifie être un chrétien fort. Si vous voulez avoir l'onction, vous devez être fort. Yeah. Si vous voulez bâtir des églises, vous devez être fort. Donc, qu'est-ce que ça signifie être fort? On va aller rapidement. Ephésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Vous voyez? On doit se fortifier où ça? On doit se fortifier où ça? J'ai pas compris. On doit se fortifier où ça? On doit se fortifier dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des moments de faiblesse vont arriver. Croyez-moi. Des moments de faiblesse vont arriver. Mais où est-ce que tu dois aller chercher ta force? Dans le Seigneur. Le problème de nous les pasteurs, et nous les chrétiens, et nous les fidèles, quand on est faible, c'est dans les maquis on va. Quand on est faible, on s'en va dans les bois de nuit. Quand on est faible, on s'en boit. Oui. Quand on est faible, on veut s'évader. Donc on s'en va à la plage. Quand on est faible, on pleure. Quand on est faible, on dit des tordiers. C'est-à-dire qu'on parle mal aux gens qui sont en face de nous parce qu'on n'en peut plus. Être faible, c'est quoi? Être faible, c'est par exemple être triste. Être faible, c'est avoir envie d'abandonner. Être faible, c'est se sentir mal dans sa peau. Être faible, c'est se sentir malheureux. Tout ça, tu es faible, hein? Être faible, c'est voir que sa vie n'avance pas.
faible, c'est d'être en colère. Tout ça, c'est la faiblesse. Être faible, c'est d'envie de pécher. Être faible, c'est d'envie de faire des bêtises. Être faible, c'est ne pas avoir envie de venir à l'église. Être faible, c'est ne pas avoir envie de lire ta Bible. Être faible, c'est ne pas avoir envie d'écouter un de mes messages. Être faible, c'est de vouloir faire ce que tu faisais avant d'être un chrétien. Qui reconnaît que tout ça, ça t'est arrivé cette année, les envies comme ça? Hein? Il y avait des anges. Même s'il n'y a pas tout quelques-uns. Il y a eu des périodes là. Hey! Comment ça? Il y a des périodes que je suis assis comme ça. Et puis je me souviens, parce que moi, quand on n'a pas fait le monde là, mais j'ai eu une période très difficile, donc c'est là où j'ai bu la bière là. Number one venait de sortir. Bien glacé. Donc souvent, je partais m'asseoir, et un de mes amis, on exprime nos problèmes et on boit. La number one. C'était une number one. On va habituer. Amen. Donc souvent, tu es assis comme ça. Et puis l'envie d'une number one bien glacée. Tu sais pas où c'est quitté. Ça vient de ton esprit comme ça. Amen. Ça, il faut chasser cet esprit-là. Amen. Il faut chasser ça. Satan veut t'affaiblir. Alléluia. Tu sais pas. Il y a des gens, tu ne sais pas où penser les quitter. Soit mais tu es en pleine évangélisation. Et puis il y a une envie, tu sais pas où c'est quitté. Ou bien il y a un nom. Vraiment un nom enterré il y a longtemps. Oh, dépression de me taire. Ça apparaît comme ça. Oh, yeah. Dis à quelqu'un, oh, yeah. C'est-à-dire que tu es en train d'évangéliser même. Et puis quand c'est comme ça, c'est le même mot qu'il répète. Parce que tu n'es plus concentré sur ce que tu es en train de dire. Tu es en train de voir ce que tu es en train de voir. Tu vois, non, oui, c'est ce que tu dis. Je disais quoi même, mais tu es déjà parti. Le nom est en train de te fatiguer. C'est quelqu'un, Waya. Qu'est-ce que tu penses au camarade Waya là? Viens te voir, Waya. Le nom apparaît comme ça. Satan veut t'affaiblir. Mais tout esprit qui apparaît de façon royale pour te déstabiliser, je l'arrête au nom de Jésus Nazareth. Yeah, je vous dis quelque chose. Hein. C'est pas parce que les choses comme ça viennent dans notre esprit que tu n'es pas spirituel. Tu es spirituel. Oh! Ah non, il faut que tu aies dit la vérité. Un jour, papa d'Agnès a enseigné ses enfants. Il a dit, écoutez, les enfants. C'est pas parce que les pensées impures viennent. Parce que souvent là, quand les pensées impures viennent, tu dis, mais moi-même, c'est là certaines tes blagues, moi-même vraiment, j'en veux pas la peine. Hein? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Hein? Être spirituel ne veut pas dire qu'on ne ressent pas ça. Il te dit la vérité. Et puis il est en train de dire, tu peux être même dans l'église. Et pendant que tu es en train de danser, puis ton corps frotte une jeune soeur ou bien un jeune frère. Et puis, voilà! Les pensées commencent à venir. Il dit, ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Alléluia. Il dit, écoute, tu es en train d'expérimenter les sensations. Aïe. Il dit, il faut simplement chasser ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Tu es spirituel. Les hommes spirituels vivent ça. Alléluia. Et nous disons, tant qu'on sera dans ce corps-là, on ne sait jamais. Ça peut arriver, même en plein culte. Soit même en plein onction, les gens tombent le pied. La soeur est tombée sur toi, le frère est tombé sur toi. Mais quand il est tombé, les frissons que tu as sentis là, dis à quelqu'un, Awaya! Tu es là et puis tu dis, mais moi, mais j'en veux pas la peine. Dis à quelqu'un, tu en veux la peine. Tu en veux la peine. Yes. Yeah. C'est quoi ça fonctionne? Vous savez, un jour,
Et avant, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que quand ça peut arriver. Donc, quand tu étais comme ça, il te prenait pour Chanel. Mais quand papa d'âme m'a enseigné, je ne sais pas ce que ça veut dire spirituel. Non, non. Il y avait une soeur comme ça dans l'église, dans le temps, quand j'étais à la jeunesse. Quand je prie pour eux, j'impose les mains, non, j'impose les mains. À chaque fois que lui impose les mains, ça la fatigue. Jusqu'à ce qu'elle m'a dit, pardon, il ne faut plus m'imposer les mains. Elle dit, pourquoi? Elle dit, non, quand tu m'imposes les mains, là, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. C'est un waya. Dis à quelqu'un, c'est un waya. Tu vois, non? Et je pensais qu'elle était Chanel, mais après j'ai compris qu'elle n'est pas Chanel. Non, elle n'est pas Chanel. Elle est spirituelle. Mais le corps est là. Hey! Mon frère, si ça t'arrive comme ça, dis Satan, arrête de moi et continue ton chemin. Tu es spirituel. Continue ton cul de chair. Dis à ton voisin, continue ton cul de chair. Si Satan t'a fatigué ta tête, dis Seigneur, pardonne-moi par le sang de Jésus et continue ton chemin. Parce que c'est pas la dernière fois que ça t'arrive. Il y a pour devant. Je te donne l'information. Donc, alléluia. Comment devenir chrétien quoi? Fort. Donc être fort, c'est quoi? Il dit quoi? Ce que signifie être un chrétien fort. Là, j'ai dit ce que signifie un chrétien faible. Et être un chrétien fort. Donc je disais, j'étais en train de dire un truc. Tu veux, avant d'écrire le 1 là. Quand tu es faible, quand tu traverses tout ça là, c'est dans le Seigneur que tu dois chercher ta foi. Ça veut dire quoi? Quand tu es faible, c'est là qu'il faut venir à l'église. Mieux. Quand tu es faible, c'est là qu'il faut lire la Bible. Quand tu es faible, c'est là qu'il faut mettre une musique chrétienne. C'est dans le Seigneur que tu te fortifies. La force va revenir quand tu as lu ta Bible. Souvent, tu n'as pas envie de lire ta Bible même. Mais au moins, mets un message. Souvent, le message ne passe pas. Mets une chanson d'adoration. Elle va passer. Dieu va te faire la grâce, elle va passer. Et c'est faux. Et si tu montres que ça ne va pas, qu'est-ce que tu dois faire? Cours, viens à l'église. Yes. Ou bien appelle mon papa, il vient te voir. Juste pour que tu pries pour moi. Il va t'imposer les mains. Il faut que tu fasses ça. Parce que tu es en danger. Si tu ne fais pas ça, tu vas devenir de plus en plus faible. Jusqu'à ce que tu commettes une gaffe. Et très souvent, c'est après la gaffe que tu vas faire quoi? Tu vas te ressaisir. Et si c'est faux ce qu'il dit là? Tu as fini de boire la bière. On me racontait l'histoire d'un missionnaire comme ça. Hein? L'histoire d'un missionnaire comme ça. Après la Pâque, là, son chef de mission l'a appelé. Il dit, oui, allô. Le missionnaire dit, allô? Il dit, oui, c'est qui? Il dit, c'est moi, chef temps. Il dit, pourquoi? Je m'en fous de toi. Le chef même, il dit non, il dit lui là, il n'est pas dans son tonnoir. Il ne peut pas me parler comme ça dans son normal. Ça c'est un gars, les esprits waya ont commencé. Wayatique. Il n'a pas lu sa Bible. Il n'a pas écouté un message. Il n'a pas écouté une musique. Il n'a pas cru pour venir à l'église. Et royalement parlant, il s'est royalisé. Cet esprit royal ne va pas t'avoir au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Alléluia. Qui reconnaît que ce qu'il s'est en train de dire, c'est royalement vrai? Vous qui êtes palabreuse là,
y a des jours tu as envie de faire le palabre. Je dis que ça te manque. Griffer quelqu'un te manque. Je fuis ton camarade, taper cheveux là. Mets ça en bas, toi, collé comme ça. Ça te manque. Yeah. Ça beaucoup ça. Dis à quelqu'un, quand ça commence comme ça, prends ta Bible. Si tu ne peux pas lire, écoute un message. Si tu n'arrives pas à écouter, écoute une musique. Si tu ne peux pas, cours venir à l'église. Alléluia. Amen. Hey. Hey. Oh. Ça arrive, hein? Vous avez joué mal. Il y a un pasteur comme ça. Les esprits voyatiques ont commencé. Il n'a pas fait ce qu'on a dit. Il est tombé fin d'une de ses filles. Et pendant qu'il est marié, sa femme est médecin. La fille là, elle n'est rien. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et les membres de l'église l'ont appelé pour dire, ah le vieux, un pasteur peut tomber. Mais faisons tu fais pour toi là. Non, c'est toi vis-à-vis. Tu fais même jusqu'à même. Et vous êtes ensemble même, vous marchez même dans la rue, bras dans bras. Vous cachez. Non, papa, faut pas faire ça. Tu peux tomber. Mais vraiment, faut pas nager. Non, le diacre est en train de parler, mon frère essaie de voir, il faut choisir. Non, ne pas t'accompagner. Il dit, ah bon? Ouais. C'est parce que je suis pasteur, non? Je ne suis plus pasteur. Il dit, je ne suis plus votre pasteur à partir de maintenant. Prenez l'église. Mais il n'y a pas une église. Ils avaient bâti, ils ont commencé à bâtir. Prenez l'église. Je m'en travaille dans le monde. Parce que dans le monde, on peut avoir deux gouttes. Non, 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 c'est pas ce que vous parlez, non. Je ne suis plus pasteur. Alléluia. Et il est parti. L'église, c'est un de ses fils qui a récupéré ça. Les membres étaient partis. Les fils ont récupéré un membre, deux membres. Il a commencé à travailler, travailler, travailler. Quand tu vas chez maman Eliane, là, quand tu vas chez maman Eliane, l'église est en bordure, là. C'est son fils. C'était l'église là. Voilà. Mais il a rebâti l'église. Maintenant, c'est climatisé même. Mais lui, il est dans la ville maintenant. Hein. Il ne sait pas si c'est repris. Et Dieu est toujours lui. Hein. Il a des fils en Europe qui ne savent pas qu'il n'est plus pasteur. Eux, ils l'invitent. Il va. Dieu se manifeste. Parle de connaissance. Mais il n'est plus pasteur. Il n'aura pas dit ça. Ouais. Il faut offrande quand il quitte là. Il n'est plus pasteur. Il n'est plus pasteur. Yeah. Vous voyez comment Satan a gâté sa vie. Yeah. C'est pour ça il est bon d'avoir un papa qui prie pour toi. Les enfants, tu ne peux pas t'en sortir sans papa. Papa, il a plusieurs papas qui prient pour lui. Des gars, il a prié pour lui, mais il y a d'autres pères qui prient pour lui à distance. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi il vous dit, venez prier pour moi là. Vous n'avez pas idée du poids que Satan. Hey, nous les pasteurs, surtout les fondateurs. Ah non, faut laisser. C'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer, il faut prier. Tu comprends? Parce que toi, monsieur, on te met à sa place. Tu n'as pas, tenu deux jours. Tu as rétrogradé. Yes. Mais pourquoi je m'en vais? Yes. Yeah. Il y a un de mes amis, un pasteur qu'il connaît. Une de ses. Une connaissance pour qui prier. Lui a donné un rendez-vous à Dubaï. Il est marié. Elle lui a donné rendez-vous à Dubaï. Elle a l'argent. Il est un peu royatiquement plein, elle est parti. Il était tenté. Tu sais pourquoi il était tenté?
Il dit qu'il arrivait à la maison, c'était toujours palable. Sa femme ne va jamais bien l'accueillir. Quand il quitte tard, il sent visiter le monde, il vient, il va bavarder. L'atmosphère là, ça a failli l'envoyer à voyager pour aller à Dubaï. Donc quand vous parlez, écoutez, dis amen bien. Yes. Satan est après les hommes de Dieu. Satan nous tente. Ça te fragilise. C'est pour ça que toi, tu dois être fort. Tu dois être fort. Et comment devenir fort, c'est en train d'expliquer là. J'amène bien. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Tu n'abandonneras pas au nom de Jésus-Christ. Laissez de vous bénir, vos enfants, dis amen. Hein? Tu n'abandonneras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas céder à Satan au nom de Jésus-Christ. Yes. Tu ne vas pas céder à la colère au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas céder au péché au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te rende fort. Que Dieu nous rende fort. Que rien ne nous ébranle au nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Donc il a dit quoi, tu as qui a noté ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on commence à être faible, qu'est-ce qu'on doit faire? Prends la Bible d'abord. Mais je suis sûr que la Bible ne va pas marcher. Même quand tu n'es pas voyagé, que moi tu ne lis pas. Ce n'est pas dans ton voyage que là tu as lu. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire dans son jouet-jouet, c'est pas dans. Je suis sûr que ça n'a pas marché. Mais au moins tu as essayé. Maintenant au moins écoute tes messages. Va sur Facebook vite vite. C'est pour ça souvent tu dois. Vous savez pourquoi vous devez enregistrer mes messages, non? Souvent tu n'as pas internet. Moi j'ai enregistré la mission là dans YouTube. C'est enregistré dans mon téléphone. Donc quand il n'y a pas internet, au moins il y a des messages sur YouTube. Au moins il clique et puis j'écoute. Il suffit de mettre ça à l'atmosphère, ça chasse. Ça chasse les. N'importe quel message, il ne faut même pas durer, tu prends n'importe quel message où tu veux te cliquer, paye. À force de l'écouter. Deuxième, qu'est-ce que tu as fait quoi? Il a dit quoi? Il faut mettre une musique. Adoration. Ok? Une musique d'adoration. Amen. Oui. Je fais un truc. Fais-le pas dire, vu la manière prier. Alléluia. Yes. Ça peut aller? Pardon. Amen. Yes. Ou bien couvrir à l'église. Ok? Un chrétien fort, c'est quoi? C'est développer une vie chrétienne plus profonde. Être un chrétien fort, c'est développer une vie chrétienne plus profonde. Somme 42, verset 7. Quelqu'un n'a qu'à prendre la Bible à m'aider dans la lecture. Somme 42, verset 7. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tout tes flots passent sur moi. Somme 42, verset 7. En anglais, on dit la profondeur appelle quoi? La profondeur.
Yes. Donc être un chrétien fort, c'est dit, suivez s'il vous plaît, c'est dit aller plus en profondeur. Ok? Si tu veux être fort, il faut aller en profondeur. Ils n'ont qu'à le jouer dehors. Ils n'ont qu'à le jouer en haut. Suivez ici. Si tu veux être fort, il faut aller en profondeur. Tout ce qui ne va pas en profondeur n'est pas fort. Qui a entendu parler des immeubles qui s'écroulent à Abidjan? Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas creusé en profondeur. Là, il n'est pas fort. Il est arrêté comme tout le monde, mais il n'est pas fort comme son voisin. Il ressemble à tout le monde. Il pense qu'il est arrivé. Mais l'erreur qu'il a fait, il n'a pas creusé. Il veut se comparer à son voisin. Son voisin, là, il a creusé. Donc, quand le vent vient, là, il ne peut pas supporter. Il s'écroule sur lui-même. Le poids, là, il ne peut pas supporter. Il s'écroule à un certain moment. Amen. Je me souviens, il y a des années en arrière, j'ai fait un rêve sur la Miav. Peut-être 2 ans, 3 ans. 3 ans, peut-être. On a battu, on arrivait au 3e étage. Nous, on était au 3e, puis ça s'est écroulé. Quand Messie réveille, dit, c'est quoi ça, Seigneur? Il m'a dit, fais attention au fondement. Fais attention au fondement. C'est là qu'il a commencé à prendre votre formation là, d'une certaine manière. J'ai compris que si ils ne vous formaient pas, hein, c'était moi l'église allait s'écrouler. Et les années allaient fermer. Oui, parce que vous n'êtes pas fort. Quelqu'un les vents vont souffler. Donc j'ai compris qu'il faut que vous enseigne plus. Il faut que j'aille en profondeur avec vous. Et comment il doit aller en profondeur avec vous? C'est plus vous enseigner. Plus passer du temps avec vous, à vous enseigner. C'est pour ça, tu vois, je vous enseigne. Je parle. J'essaie de vous rendre profond. Un arbre, vous savez pourquoi cocotier, c'est difficile pour le déraciner. Il va loin. Tout ce qui n'est pas enraciné est facile à déraciner. Et quand tu es chrétien, c'est pour ça que quand tu viens, il ne faut pas être pressé. Faut suivre le flot. Faut suivre le flot. Amen. C'est pour ça que souvent Dieu va prendre le temps. C'est pour ça que vous êtes pressé pour avoir la gloire. Vous êtes pressé que Dieu vous révèle. Si Dieu te révèle à l'heure là, tu vas tomber. Tu es trop jeune. Tu es trop nouveau. Tes racines ne sont pas encore allées loin. Mais tu peux servir Dieu dedans. Mais à ton niveau. Yes. Souvent vos églises, vos cellules ne vont pas aller trop loin. Parce qu'à cause de votre niveau, si Dieu s'amuse à l'envoyer trop loin, tu vas t'écrouler. Chaque chose a son temps. C'est pourquoi, regarde, je me suis converti en quelle année? En 2001. 2001, 2002. Ça fait combien? Ça fait 20 ans de chrétienté. J'ai été consacré par ceux en 2010. Qui me connaissait? Jusqu'en 2014. Fion Longo. J'ai commencé à bosser jusqu'en 2017. C'est en 2017 que où j'étais au Buisson, dans les gens ont commencé à me connaître. Je me souviens quand on quittait, quand Dieu m'a dit de partir là, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à ma femme. Un jeune, il a dit, ah papa même, c'est maintenant qu'on a commencé à le connaître dans l'église et puis vous partez. Tu te souviens non? C'est maintenant qu'on a commencé à connaître sa valeur. C'est maintenant qu'on a commencé à voir la profondeur, l'onction qui est sur lui et puis vous partez. Mais ça fait combien de temps dans cette église là? Depuis 2003. Depuis 2003. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Au moins 15 ans. Mais toi, tu es arrivé hier, là. Tu veux qu'on te connaisse. Tu veux que tout le monde vienne, tu as prié pour eux. Tu es pressé. Cherche-toi son temps. Dis à quelqu'un, cherche-toi son temps. Prends de la profondeur. Tu ne vas pas te presser. Le poids qui est sur moi, si on met ça sur toi, tu te coules. Tu ne peux pas tenir. Yes. Comment? Alléluia. De pression, vous me mettez. Je ne suis pas pressé. Prenez de quoi? La profondeur. Yes. Et la profondeur, je prends dans le secret. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants, je ne vais pas vous voir sur Facebook, toi, en train de prêcher. Il y a un comme ça. Un jour. Toi-même. C'est lui-même que tu ne peux pas gérer. Je le vois sur Facebook. Tu es béni. Il a été fait direct.
Tu sais quand ça va, tu appelles les gens que tu as connectés à eux dans direct là. Et puis il y a une de mes filles qui est tombée sur lui à 2h, à 3h, à 4h du matin. Elle m'a appelé, il fait quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Elle te voit prêcher, mais il fait quoi? Ça veut dire tu penses et tu prêches. Mais on te pose, derrière te demande, il fait quoi? Il y a des gens là, toi tu connais, tu prêches. Et il te dit, il fait quoi? Ça veut pas dire que tu prêches, mais ça veut dire que tu dis rien. Ça veut dire que c'est pas ton niveau, faut te calmer. Yes. Pressez! J'ai dit à mes pasteurs, calmez-vous. Pierre veille dans l'ombre, dans le secret. Soyez comme des serpents. Restez d'un coin, vous vous rappelez, puis multipliez-vous. Développez-vous. Quand on te met sur YouTube comme ça, là, on voit le temple. Yes. Ça fait ce que je dis là. Regarde, quand tu me vois prêcher ici, là, je suis là, et puis tu me vois, on met la caméra sur moi. Vous qui êtes loin là, tu ne me considères pas trop. Il prêche. Mais quand on tourne ça sur le peuple, il a nommé. Vraiment faux. Et puis tu commences à me considérer. Oui. Dis à quelqu'un de la profondeur. Dis à quelqu'un, prends de la profondeur. Dans le secret, prends de la profondeur. Yes. Et la profondeur là, c'est dans le temps. Mais c'est un travaillant. C'est lui quand il prend la profondeur, il n'est pas dit qu'il faut venir. Papa dit prendre la profondeur, mon cher. On n'est pas pressé. Donc, dans 20 ans, on s'est levé pour être profond. Ah, tu penses comme ça? Pendant que l'immeuble est. Pendant que tu vois que l'autre immeuble là, ils sont en train de. Ils ne sont pas encore, mais ils ne dorment pas. Hein? Et, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas encore sorti, mais ils ne dorment pas. Hein? Ils sont en train de travailler. On ne le voit pas, mais ils travaillent. On ne les voit pas, mais ils sont dans le tour là-bas. Ils sont en train de travailler. Mettre les faits, fixer les faits. Ils sont en train de travailler. Hein? Et puis ils ne dorment pas. Donc, même si on ne te voit pas dans le secret, passe des heures de prière. Yes, organise-toi. Tu viens chaque jour dans le temple ici, tu pries. Tu as ton temps de jeûne par mois. 3 jours, tu as un jour. Chaque semaine, tu jeûnes. Tu as ton jeûne à haut, jeûne à sec. Tu lis ta Bible, tu lis les livres, tu écoutes les messages, tu donnes les messages. Tu es en train de faire ça petit à petit, on ne te voit pas. Mais tu travailles. Un jour, quand tu vas apparaître. Et quand tu vas apparaître, ils vont dire, c'est qui ça? C'est un nouveau. Quand ils vont taper ta main pour te secouer, ils bougent même pas. Pour toi qui est en profondeur, quand il vient de sortir, même tu vois tête à pas t'amuser ça. Mais tu tapes tête à ça, ça bouge pas. Va-va, il est en profondeur. Satan te tape, mais une fois que tu ne bouges pas même. Il est enraciné. Je te serai enraciné au nom de Jésus-Christ. Yeah! Dis à même prier, tu seras enraciné au nom de Jésus-Christ. Yeah! Et je vais prier pour toi. Tout ce qui veut te déraciner va échouer au nom de Jésus. Yeah! Tout ce qui veut te faire tomber va échouer au nom de Jésus-Christ. Yeah! Tout ce qui veut fermer nos églises va échouer au nom de Jésus-Christ. Yeah! À partir de maintenant, nos racines vont en profondeur. Yeah! Yes. Assieds-toi. Que Dieu te donne la sagesse pour être profond. Je vous donne mes exemples. 15 ans plus tard, c'est là où on a commencé à me reconnaître comme un serviteur de Dieu. Il a te dit quelque chose. Écoute-moi bien. Je faisais onction dans ces 15 ans. Il faisait onction. Même au temps de papa Vito, il faisait onction. Il savait. Mais on dit quoi? C'était pas encore le temps. Il nous a dit ça. Pour faire peur pour moi. Les gens nous utilisaient dehors. Mais à la maison, on ne reconnaissait pas. C'est comme ça. On n'avait pas encore pris de la profondeur. Yes. C'est au bout d'un temps que j'ai commencé à voir la valeur. Toi, tu es pressé. Tu as tombé. Quand tu me vois comme ça, tu vois pas les gens enracinés. Faut pas me regarder, hein? Quand tu me vois comme ça là, je peux être là comme ça. Moi je suis assis comme ça, moi je suis devant télépi, Dieu entend me parler. On est en train de parler comme ça, hein. Il est en train de me dire les choses. Il est parti. Il est en train de m'expliquer les choses. Je suis aussi dans la Bible. Toi la Bible là, tu dois regarder. Moi, je n'ai pas besoin de regarder. Mais la Bible là, il y a des Genèse à Apocalypse, il a fait ça plusieurs fois.
en ordre. Donc je suis assis comme ça, ici dans 1 Corinthiens. Et puis il m'envoie dans l'Apocalypse, tu vois, et puis il me ramène en Genèse, puis il m'explique. Il y a des messages que Dieu m'a donné en partant à des programmes. C'est en train de conduire. Et puis il est en train de faire le message. Là, c'est là, tu vas se verser, prends ça. Mets ça en premier, point 1, point 2, point 3. Ah, ok. Tu vas rester là. Non, papa, c'est quand il est au volant qui fait ce message. Faut essayer, tu vas voir. Arrivez là-bas, on voit ce que tu as dit aux gens. Allez. Qui m'a écouté dimanche dernier chez le prophète Abraham? C'est quand je partais chez lui que j'ai eu le message. Je priais pour le message, mais c'est quand je partais que Dieu a défini bien le message. Mais quand tu m'écoutes, on dirait pas qu'on vient de me donner le message. On dirait qu'il n'y a plus pas. Ah oui! Mais si c'est ce qui fait ça, c'est la profondeur qui fait ça. Quand tu es profond, il y a des efforts, tu ne fais pas. On dit amen, qu'il pêche. Dis à quelqu'un, sois profond. Dis à quelqu'un, calme-toi. Même si moi est dangereux. Sois profond. Dis-lui, même si moi est dangereux. Ne dors pas 16 heures. Sois profond. Salut-moi mon fils. Ta grand-soeur rentre à 20h. Souvent 22h. Voilà, t'as vu non? 22h non? Elle vend 20h jusqu'à 22h. Elle vend. Maintenant, l'homme qui gagne les âmes, là, lui rentre à 16h. Parce que moi, il est dangereux. Je suis sûr qu'il s'est laissé contaminer par un pasteur de main qui a échoué. Yeah. Méfiez-vous quand on vous envoie là. Hein. Il y a des pasteurs qui ont échoué sur le tatami. Ils ont échoué sur le terrain. Donc quand tu viens là, il te dit ici là, les gens n'aiment pas Dieu. Hein. Ici là, mais tu as écrit mon métier béni. Faut remercier Dieu. Hein. Ici là. Oh, c'est pas facile. Le terrain est dur. Ah bon. Mais c'est des paresseux. Ils ne travaillent pas. Et ils n'ont pas l'onction. Croyez-moi. Si toi tu te lèves, que tu commences à bosser, ils seront étonnés des membres que tu auras. Mais quand nous on venait à la Riviera, on m'a envoyé une commission. Tu sais ce qu'ils ont dit? Va lui dire que Riviera est dur. Et effectivement, quand c'est évangélisé, personne n'ouvre son portail. Mais non, on n'a pas regardé ça. Écoute-moi très bien. Moi, je suis quelqu'un. Si je ne peux pas avoir accès à toi, physiquement, j'aurai accès à toi en esprit. Il est appelé en esprit. Tu viendras. Ah, c'est la foi, ça. L'ikazou zazazia. Venez. Venez. Ya. Venez. Yo. Venez. Ya. Venez. Yo. Venez. Ya. Venez. Yo. Venez. Ya. Venez. Yo. Venez. Ya. Venez. Le temps, ils vont se rendre compte, ils sont là. Mais quoi, tu me parles là? On a guéri, rien dit. Allez. Yes. Et puis, ils n'ont pas l'onction. C'est quoi, je ne suis pas. Quand tu as l'onction, tu fais la différence. Il vous a dit au Togo, Bishop Paul est parti au Togo. Il est arrivé. Il a dit, pasteur, ici, les gens n'ont pas conduit. Hein. À l'église, les gens n'ont pas ça. Là-bas, au Togo, à 19h, à partir de 20h, tu n'as pas fini ton culte, les gens sortent. Il dit, ok, il a compris. Il a commencé à enseigner les gens. Il dit, méga église. Lui qui est arrivé là, il était l'un des plus grands bishops au Togo. C'est qu'il a bâti. Les gars sont là jusqu'à minuit. Le temps est rempli. Le pasteur lui a demandé, ah, c'est bien, tu as fait venir des centres du Ghana. Il dit, non, hein, c'est avec Togolaise. Il dit, quoi? En train de servir Dieu.
C'est pas fait de mentalité. Ça fait de l'onction que tu portes. Et où vous êtes à vous porter l'onction de mon papa? Vous avez mon onction. Alléluia. Qui peut faire la différence? Tu vas faire la différence au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu parles là? Tu vas faire la différence au nom de Jésus. Tu vas faire la différence au nom de Jésus. Tu vas faire la différence au nom de Jésus. Là où on dit c'est Dieu, tu vas créer des âmes. Tu vas bâtir des grandes églises. Ton église sera remplie. Et les gens seront jaloux. Ou bien? Les gens me sont étonnés qu'il y ait du remité sinon rempli. Asseyez-vous. Vous avez écouté la dernière fois, papa Vito, non? Papa Vito, ils sont au centre d'Abidjan, au milieu de Makori. Qui connaît Hibiscus? C'est le centre de Makori qui est là. Il faut que du soir, les gens ne viennent pas. Il fait programme, les gens ne viennent pas. Il m'a dit, toi, mon fils, tu es un dur. Il dit, comment ça, papa? Il dit, toi, tu es en bourse comme ça? Et puis, programme, le temps est rempli. Il m'a dit, non, tu es faux. Il dit, non, papa, je ne suis pas faux. Et puis après il m'a dit, ton peuple aime Dieu. C'est vrai, ils aiment Dieu. Mais c'est l'onction qui les attire. Ya. C'est quoi? C'est l'onction qui les attire. L'onction qui est sur toi va attirer des gens dans l'église. Ça va attirer les gens à toi au nom de Jésus-Christ. L'enfant, écoute-moi bien. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a parlé de l'onction après. Mais écoute, le secret, c'est l'onction. J'ai fini par comprendre. Les gens m'ont aidé chaque fois dans ma vie à cause de l'onction qui était sur moi. Croyez-moi. L'onction des faits pasteurs là, ça aide dans la vie physique. L'onction. Même pour tes affaires, tu en as besoin. Quand ma vie a été trop stratégique. Dès que je quitte l'université, je viens à l'institut public, je tombe sur ma patronne. Une blanche. Elle paye mes coûts. Premier jour de ma vie, elle m'a pas aimé. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, premier jour de ta vie, elle t'a pas aimé. Il pensait que tu étais un homme arrogant. Mais Dieu a fini par lui montrer mon vrai visage. Elle a fini par m'aimer. Elle a payé mes coûts. Elle m'a donné du travail. Elle m'a pris en entreprise. Comment j'ai? Dès qu'elle est partie, Dieu a envoyé une autre. Hey! Qui a financé mon mariage. Qui a financé mon entreprise. Dès qu'elle est partie, Dieu a envoyé une autre. Yes! Il y a Dieu envoie seulement. Mais j'ai compris que les gens m'aidaient depuis là. Ah, c'est à cause d'une onction. Qui est chez moi. Amen. Dis-moi comment les gens t'aident et je te dirai le type d'onction que tu portes. Si personne ne t'aide, ne murmure pas, tu ne portes rien. Tu dors à 16 heures. Si. Arrêtez de dire non, les gens ne voient pas. Les gens ne te voient pas parce que tu n'es pas loin. Si. Les gens ne te voient pas. Une soeur est venue me voir un jour en train de prier. En train de prier. On priait simplement. Elle est tombée. Elle a enlevé sa montre. La montre, elle dit ça, c'est mon cœur, hein, papa. Tiens. Ah, elle dit cette montre-là. Mon petit frère a couru derrière moi. Mon grand frère a couru derrière moi. Mes parents ont couru derrière moi pour que je leur donne. Je n'ai jamais donné. Moi, elle m'a demandé. Elle m'a donné la montre. Moi, je l'avais demandé. Une montre chère. Qu'est-ce qui a fait ça? L'onction. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Cherche l'onction. Et ça vient quand ça racine. Dans le secret. Quand ça racine. La profondeur appelle la profondeur. C'est pour ça. Je viens ici. C'est pour ça. Dites aux enfants d'aller jouer en haut. Ils n'ont qu'à les jouer en haut. Ils n'ont qu'à les jouer en haut. On entend enregistrer. On peut faire du bruit. Amen. C'est pour ça, regardez, suivez-ci. Suivez-ci. Aimez vous attacher aux gens de profondeur. Des gens qui sont profonds. Yeah. Tout le monde doit être ton ami quand on voit. Quoi? Même dans les écoles où vous êtes les... Ne prenez pas tous ceux qui veulent voir vous comme vos amis. Hein? Faut regarder son église. Faut regarder sa mentalité. Il dit quoi? Une fois qu'il te dit, mon cher, travail là, c'est Dieu qui a fait. Moi, il me repose. Voici quelqu'un qui ne doit pas marcher à tort. Oui. C'est pas moi, je suis moi pour eux. Il n'a pas tué ma vie à cause d'eux. Voici quelqu'un qui ne doit pas marcher à tort. Mon frère, faut te reposer. Hein? Oui, quelqu'un qui ne doit pas marcher à tort. Un jour, il y a un gars qui m'a appelé.
un ami qui m'a fait l'insulte, il m'appelle. Il était un peu fatigué, quoi. Puis il dit, ah, ça, repose-toi. Un homme de Dieu doit se reposer. Moi, quand tu vois, il y a deux jours de repos. Il n'a pas église, mais il a deux jours de repos. Ah! Dieu s'est reposé une fois, lui se repose deux fois. Ah! Non, non, Dieu travaille avec lui. Dieu s'est reposé une seule fois. Lui se repose deux fois. Et puis tu vois, le jour où il dit qu'il travaille là, c'est aucun bon travail. C'est aller s'asseoir sur ses enfants causés. C'est ça qu'il appelle travail. Dis amène bien. Non, 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 quoi? Au début, quand il a commencé, l'enfant, c'est pas pour vous parler, mais surtout vous parlez pas de la profondeur. C'est un travail qu'on devient profond. Quand on a commencé, et puis il visitait les âmes, tiens, portez mes verres, il visitait les âmes jusqu'à quelle heure? 1h du matin. Il était fait le programme. Des gens m'ont appelé. Faut te calmer. Hein? Le ministère, c'est marathon. Ne te presse pas. Aujourd'hui, les mêmes gars, il y a un dedans qui m'a appelé pour dire mon fils. Le même, il m'a dit mon fils, ce que tu fais, il faut continuer. Il y a un âge où tu ne pourras pas faire ça. Continue. Bats-toi, continue. Parce que les gars voient le résultat. Les gars voient le résultat. Yes. Quand on a commencé là, il y a un homme de Dieu qui était à côté. Il est venu, on s'est rencontrés. Il est venu faire culte, il voulait être mon ami. Mais il a su qu'il ne voulait pas être son ami. Il n'a pas église. Son esprit, c'est avoir des filles avant de te bénir. Moi, il ne marche pas les gens comme ça. Je suis là pour faire des disciples, bâtir des églises, laisser des traces sur la terre. Dis amen bien. Si tu n'as pas cette mentalité, il ne marche pas toi. Tu vas me contaminer. Hein, c'est faux. Tu vas me contaminer. Surtout aujourd'hui, nous sommes là. J'ai une voiture. J'ai pas connu le pays loyer. Tu peux m'interner partout. Va-vous. Allons à la plage. Allons se reposer. Va-vous. Et puis, on commence à faire des trucs. Non. Non, 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 non. J'aime m'asseoir. Les gens, quand souvent je suis faible, les gens à qui ils pensent, c'est Bishop Paul. Ils pensent à ces gars-là. On sait des bosseurs. Et ça m'encourage à bosser. Dis amen bien. Yes. Il y a par exemple le camp d'aujourd'hui, j'ai failli annuler. Ce matin, il fallait annuler. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire au niveau de l'organisation de l'église. Il y a trop de choses à faire. Et par rapport à un truc qui doit opérer, il y a trop de choses à faire. Mais comment je vais m'arranger? Je ferai ce camp. Et je vais trouver le moyen de régler le problème. Dis amen bien. La profondeur demande du travail. Un travail constant. La plante ne s'arrête jamais de grandir. Chaque jour, elle grandit. Chaque jour, elle grandit. Elle tire les sels minéraux et elle grandit. Chaque jour, tu lis ta Bible et tu grandis. Tu écoutes un message et tu grandis. Tu pries et tu grandis. Chaque jour, un peu. Le temps, il se rend compte. Tu es profond. On ne peut plus couper ta tête. Est-ce que tu sais qu'un arbre qui est profond, maintenant tu coupes ta tête, il repousse. Où est? Je vais mal, hein. Comment? Qui a béni dans ça? Qui va dire que ça n'a rien à voir avec culte? Deux, être un chrétien fort, c'est sa famille. Que c'est quoi? 1 Corinthiens 5, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ici, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain pour le Seigneur. Vous avez vu, non? Vous s'affermir en t'avant de quoi de mieux en mieux. Ok? Deviens fort en t'appliquant. Et enfin, appliquez-vous. Vous savez, application, ça veut dire quoi? Il va me dire quelque chose. Ce que tu ne sais pas faire, tu arrives à faire maintenant. Tu apprends à faire. Exemple, toi, tu ne peux pas prier une heure.
tu te fixes un objectif. Ce mois de mai là, il faut qu'il prie une heure chaque jour. Si tu arrives à faire ça, tu t'es appliqué. Moi, j'arrive pas à faire cellule. Donc, tu vas voir ton responsable, on te met dans une cellule, tu vas écouter. Et puis, toi aussi, tu n'as pas à faire la cellule. Tu es en train de t'affaimer. Est-ce que vous voyez? Tu lisais ta Bible, tu ne pouvais pas lire beaucoup. Tu apprends à lire plus, tu es en train de t'affaimer. Tu écoutais peut-être 30 minutes, tu n'as pas écouté plus. Même tu as les écouteurs, tu entends toute la parole de Dieu. Tu es en train de t'affaimer comme ça. Amen. De mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Dis à quelqu'un de mieux en mieux. Yes. Trois. On va avancer. Trois. Être un chrétien fort, c'est être inébranlable. C'est être inébranlable. 1 Corinthiens 15, 58. Lis. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux. Soyez quoi? Inébranlables. Vous savez quoi? Quand les fausses prophéties vont venir, soyez inébranlables. Un exemple. On nous a dit, les gens commencent à prophétiser d'être déloyaux, que notre église va fermer en 3 mois, dans le temps. On était en 2019, non? 19. Ils disent, eux, voient l'église fermée en 3 mois. Les gens qui n'étaient pas forts ont commencé à paniquer. Moi, ma fille, j'ai dit, calmez-vous, inébranlable. Impossible. Tu ne trembles pas devant les mauvaises nouvelles. Tu fuis pas devant les mauvaises nouvelles. Yes. Quand on est parti là-bas et qu'on a eu le litige sur le terrain, il y a des gens qui ont commencé à murmurer. Et non. On est inébranlable. Yes. Être inébranlable, c'est de croire la vision, quelle que soit l'opposition. Tu peux écrire ça. Quelle que soit l'opposition, tu crois en la vision que Dieu a donnée. Tu crois ce que Dieu a dit. Et ça va être inébranlable dans l'opposition. C'est quoi dans l'opposition que ce que Dieu a dit va arriver? Et c'est ça, être inébranlable. Yes. Tu sais que tu étais bâti méga église. Premier culte, 2. Deuxième culte, 5. Troisième culte, 1. Tu es déjà découragé. Et c'est Dieu m'a appelé. Toi, tu es ébranlable. Donc, tu dis, écoute, je ne marche pas par la vue. Je marche par l'esprit. Ils sont un mot voix de milliers. C'est ça, être inébranlable. Quand les gens t'entendent, ils sont étonnés. Et tu pousses leur foi. Les gens qui sont inébranlables, c'est les gens qui connaissent Dieu. Regardez un peu dans l'Ancien Testament. Quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, et puis ils sont arrivés devant la mer Rouge, les Égyptiens arrivent, la mer Rouge est devant. Le peuple a commencé à murmurer, ils sont devenus inébranlables. On mourit. Toi, Moïse, c'était pas mieux. Moïse dit, calmez-vous. Tu vois, non? Il est inébranlable. Dieu a dit, on sort pour aller l'adorer, c'est pas pour mourir. Calmez-vous. Dieu va trouver une solution. Soit on tous les tuer, en se battant avec eux. Mais Dieu a opéré un miracle. Et Dieu lui a dit, prends la verge. Qu'elle a pris la verge. Tap! Voyez où vas-tu? Quand tu es inébranlable, Dieu crée toujours un chemin. Il y a un gars qui m'a dit ça. Hein. Il dit, non, Dieu est toi. Un des gars qui est parti de l'église, il m'a dit, il n'y a pas de mentir, Dieu est toi. Il dit, comment ça? Il dit, c'est que j'ai remarqué, chaque fois qu'une porte se ferme, Dieu ouvre une autre porte. C'est ça. Mais tu sais pourquoi Dieu ouvre une autre porte? À cause de ma foi. Je ne suis pas ébranlable du tout. À toi. Je crois. Moi, tu me vois comme ça là. Je crois qu'un jour, on va remplir Félicia. Il te parle seulement des églises d'Abidjan, de Bassam, autour ici seulement. On va remplir Félicia. Les gens de Congo et autres, ils vont remplir autre Félicia.
Maintenant, on parle plus de Félix, on parle maintenant de quoi? Et Bimpe. C'est quoi combien de choses? 80 000 places. On va remplir Bimpe. Si, je crois. Et le président qui sera là en ce temps-là, ça sera un de mes fils spirituels. Yes. Même si il est parmi eux là-bas, Dieu va tout faire de mon fils spirituel. Et ils vont nous donner stade là. On va remplir ça. Je vous dis la vérité. Et je crois. Je ne sais pas ce que tu as me dit et puis pas quoi ça. Ça c'est être inébranlable. Il y a un grain de doute. Non oui. Jamais. Les cajons. Comment? Et je crois que d'ici 2 ans, 3 ans, on commence, il faut commencer à voyager par l'ouvrir maintenant dans à l'extérieur. Ouvrir. Et je crois que d'ici 5 ans, 10 ans, vous là, vous allez commencer à voyager par l'Europe, aller faire les églises. Gérer les missions pour revenir. Je vais me rester là-bas. Je vous dis, je vais affecter, vous là, je vais vous affecter en France, en Australie, en Europe, aux États-Unis. Il a dit, il t'affecte. Va. Et puis on te donne l'argent, billet d'avion, tout. Tu vas et puis tu fais l'église. Parce que l'église sera puissante. Et ça va arriver. Ici, inébranlable à ce niveau. Oh yeah. Comment ça? Je crois qu'on va bâtir un bigage complexe chrétien. Yes. Avec une cathédrale de 5000 places. Avec orphelinat, avec clinique, avec université, avec des. Hey! Ma cassée, ça s'ouvre. On va le faire. Ça sera comme aux États-Unis. Et quand. Hey! On va le faire. Et Dieu va donner l'argent pour ça. On ne fait pas ça pour notre gloire. On fait ça parce qu'on pense que Dieu mérite même plus. Il mérite qu'on l'adore dans les grands temples. Il mérite qu'on fasse quelque chose pour lui. Dis amen bien. Il est mort pour nous, c'est ce que nous on peut faire. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est mettre notre argent, notre énergie, notre parole, notre connaissance. Tout. Je ne sais pas qui va me dire le contraire. Toi, tu es parti. Parce que hier vous étiez 30, aujourd'hui vous êtes 10, tu es découragé. Voilà comment tu marches dans Abidjan. Un jour, mon pasteur m'expliquait. Roger est parti tourner. La semaine dernière, il fait prier. Depuis là, les gens ne viennent pas. Elle se pose la question, mais regarde, ils sont où ça? Prions! Il n'y a personne. C'est les uns qui sont venus. Elle vient voir Roger et puis fait comme ça. C'est gâté au dimanche. Elle était assise derrière. Tout calme et tout triste. Ne vous attristez pas. Écoutez-moi bien. Un homme de Dieu m'a dit tout, ça m'a touché. Il dit, avec le monde, échec plus échec, ça donne échec. Mais avec Dieu, échec plus échec, ça donne victoire. Avec Dieu, quand tu échoues, que tu n'abandonnes pas, tu finis par gagner. Hey, c'est vrai d'avoir compris la base là. Yes! Tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. 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 Faut pas abandonner, c'est tout. N'abandonne pas. Même le jour où tu donnes parole de connaissance qui t'a tapé poteau, n'abandonne pas. Tu dis non, je vois Hervé. Il dit non, il m'appelle Charles. Dans ton nom, il n'y a pas Hervé? Non. Tu ne connais pas un Hervé? Non. Il n'y a pas un Hervé, un ami? Non. Bon. Bon, on avance après. La prochaine fois, tu viens. Tu t'appelles Yannick? Non. Tu connais pas Yannick? Non. Moi, tu t'appelles comment? Il vient, voici à Yannick. Il m'appelle Antoine. Mais un jour, tu vas venir. Je vois Domoro. Lui, c'est mon nom de famille. Ça a commencé comme ça. C'est comme ça. Parole de connaissance là. C'est parce qu'ils sont en train de me concentrer. Sur ouvrir les églises. Il fuit dans les murs là. Ça sortait comme ça. Hey! Donc, le don est là.
Et puis il a déjà fait un rêve où les milliers de gens venaient puis donner leur nom. Chacun. Tu t'appelles tant, tant. Il passe, tu t'appelles tant, tant. C'est là. Mais qui t'en vient de développer ça? Laisse-moi bâtir mes églises d'abord. On a qu'à s'asseoir. Yes. Allez. Faut pas. Qu'est-ce qu'il vient? Faut pas te décourager. Père, vous, tu es là. Tu es là. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Tu as senti l'onction pendant tant de minutes. J'ai ouvert les yeux. Après, depuis là, le gars il dit on voit rien donc le temps. Et il y a un homme, le temps tu as dit ça, ils vont s'asseoir. Tu dis, levez-vous, merci. Parce qu'il s'est élevé jusqu'à comme pêcheur de tombe. Il s'est assis. Toi-même, tu es découragé. À quoi ça te plaît, tu veux plus faire encore? Qui t'a dit? Faut continuer. Continue. Un jour, tu as dit, je sens l'onction. Pap, pap, pap. Et puis les gens vont se découler dans la salle. Soyez inébranlable. Quand tu as l'onction, tu es audacieux. Vous avez compris? Tu es quoi? C'est audacieux. Je veux que vous soyez audacieux, les enfants. Audacieux quoi? Audacieux. Ça peut aller? Ça peut aller? Un jour, je n'ai pas été audacieux, j'ai perdu un membre comme ça. Non, c'est que vous ne pensez pas que nous, quand même, ta question est comme ça, j'étais avant. Non! Une fois, je suis parti d'une ville, on m'a invité d'une ville pour aller prêcher. C'était, je ne dis pas le nom de la ville. Regarde, à l'entrée de la ville, Dieu m'a parlé du sous-préfet. Il m'a dit, c'est une femme. Il m'a décrit la femme. Et puis il m'a dit, elle a un problème. C'est un problème dans son foyer. Elle est son mari. Son mari la trompe avec sa grande soeur. Hey! Dieu a commencé à me dire tout cela. Que son mari est sur le point de la chasser. Donc moi, je suis arrivé dans le programme. La sous-préfet n'était pas dans le programme. J'ai fait, Dieu s'est manifesté par la connaissance. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, ah, je ne connais pas si tu connais la sous-préfet. Hein. Mais j'ai parlé de connaissance pour elle. Elle a un problème dans son foyer. Jacques, quelqu'un connaissait la sous-préfet. Il lui a dit, elle dit c'est qui? Faut lui donner mon numéro, n'a qu'à m'appeler. C'est-à-dire c'était vrai. Maintenant elle m'appelle. Homme de Dieu dit, parle-moi. Au lieu de lui donner les paroles de connaissance que j'ai reçues. Il dit non, je vois un problème. Il faut qu'on se voit. Elle m'a plus jamais rappelé encore. Elle m'a dit à quoi elle t'a rappelé. C'est fini. Je n'ai pas été audacieux pour dire le problème. Sa grande soeur était en train de gâter son foyer. Et puis Dieu m'a dit, dis-lui de chasser sa grande soeur. Mais je n'ai pas été audacieux. Et tu ne sais pas ce sous-préfet là qui elle a m'envoyé. Parce que derrière une âme, il y a beaucoup d'âmes. Ah, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas? Qui sait pas ça? Derrière une âme, il y a quoi? Regarde par exemple, lui-même là, tous les gens qui m'envoient à Kumasi, beaucoup d'âmes. Lui aussi, tous mes amis m'envoient. Il y a lui, il m'envoie ma fille qui est là. Derrière une âme, vous, c'est les gens qui vous ont invité, non? Derrière une âme, il y a beaucoup d'âmes. Si. Amen. Et j'ai perdu. Ben, il n'était pas audacieux. Mais, ça m'a servi de leçon. Où est? Prochainement, quand Dieu m'a donné une parole comme ça pour une autorité, j'allais lui donner. Où est? Il y a quoi? Il lui donner. Dieu m'a fait grâce, hein. J'ai dit à prier pour député. Une femme députée, la première. Non, si elle dit ça, vous allez la connaître. Députée, autant de bédiers. Elle était députée. Mais elle n'était plus députée. Mais tu sais que députée, là, c'est ça, tu as ça à vie, le nom député, là. Honorable. Je suis arrivé chez elle, comme ça, une de mes mamans. Je ne sais pas qu'elle était députée. Ah, jeune comme ça. Oh. Et puis elle dit, prions. Moi, j'étais en train de prier Shabbat là-bas. Elle est tombée, bail sur l'onction. Elle m'a dit, depuis elle est née, elle est partie, c'est un homme de Dieu. Elle n'est jamais tombée sur l'onction. C'est la première fois. Elle est partie au sanctuaire marial. Les gens tombent, elle, jamais. Et quand elle est tombée là, elle a commencé à vomir. Elle fait sa délivrance propre. Elle a commencé à s'attacher à moi. Il ne sait pas ce qui s'est passé encore. En ce moment, il était trop jeune. Il ne sait pas garder les relations. Tu comprends, non? Donc, il y a des erreurs que Dieu te fait faire au départ. Mais il faut continuer. On doit, bon, on doit. Non, vraiment, mais regardez, ça ne me plaît pas. Allez! Quatre. Être un chrétien fort, c'est devenir spirituel.
un chrétien fort, c'est devenir spirituel. C'est devenu quoi? Spirituel. Qui est béni par le temps? 1 Corinthiens 3, 1. Ma fille d'Aloua, tu es béni? 1 Corinthiens 3, 1. Oui. Faut devenir spirituel, ok? Faut devenir quoi? Spirituel. Vous savez, un spirituel, c'est quoi? C'est pas de voir les sorciers partout. C'est pas de voir les salamandres et puis les tuer. Quand salamandre va à ta maison, mais j'en peux d'entrer. Tu entends là-bas, elle joue bien nous, hein? Elle nous tue. On ne sait pas ce qu'on lui a fait, même. Soit mes salamandres, mais tu veux les trouver dans la maison. Là. Ils étaient là avant toi-même. Mais laisse-les dormir au moins dans le plafond. Mais toi, mais tu les vois en sorcier même. Je dis ça là, c'est mon oncle qui s'est transformé comme ça. Amen. c'est pas ça, un spirituel. J'ai fini par comprendre que un spirituel, c'est de croire en tout ce que la Bible dit. Yes. Ça fait toi un homme spirituel. Tout ce que la Bible dit. Pas seulement le côté bon mot, hein, même le côté négatif. Quand la Bible dit, celui qui ne nomme pas son père, sa mère, ne va pas durer sur la terre. Tu crois en ça? Donc tu honores ton père. Et tu sais que si tu n'honores pas ton père, tu ne vas pas durer sur la terre. Ah. Quand la Bible dit celui qui s'attache à la prostituée devient un même corps avec elle. Tu crois à ça? Tu crois que si tu couches un monsieur qui n'a pas mari, qui t'aime pas ton mari, ou tu couches une femme qui n'est pas ton mari, tu crois que tu es devenu un avec elle et que tu vas avoir des problèmes. Tu crois à ça? Ça, c'est un spirituel. Un spirituel, tu sais que la Bible dit que apporter la dîme, si tu n'apportes pas la dîme, j'ai fermé le ciel. Tu crois? Que si tu n'apportes pas ta dîme, le ciel va se fermer. Donc tu as fait. Les gens qu'on voit qui n'obéissent pas là, ils ne croient pas, hein? Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Amen. Donc il n'est pas spirituel. Il s'est dit que oh, ce qu'il dit là, soit il va te dire Dieu est amour. C'est pas bon. Il va pardonner. Mais c'est parce que tu ne comprends pas. Là, tu comprends pas. Là, Dieu amour, là, ça veut dire quoi? Dieu amour, il a donné son fils. Hein? Tu seras sauvé. Mais on parle de bénédiction sur la terre. Tu ne mens pas tes parents. La Bible dit que celui qui est enseigné fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il ne croit pas ça. Il ne croit pas que lui, parce que moi, il t'enseigne. Toi, quand tu as l'argent, là, souvent, tu dois penser à moi. Il ne croit pas ça. Donc, il va faire 2 ans même, 1 an, jamais on fait dans son père spirituel. Hey. Alléluia. Regarde, écoutons bien. C'est pas facile d'avoir plusieurs pères. Comme moi, comme ça. Pas facile. Croyez-moi. Mais tu dois nourrir chacun. Vous-même, vous avez souvent un. C'est moi. Moi, là. Il y a un qui m'a baptisé. Il a été celui qu'en 2010. Il y a un qui m'a pris de 2010 jusqu'à 2012-2013. Il y a un qui m'a pris de 2012 jusqu'à 2017. Maintenant, et tous là, ils étaient sous quelqu'un. C'est l'homme qui est mon vrai père spirituel. Maintenant, quand il a commencé, on m'a donné Dag, Bishop Dag. C'est le père. Tous ceux-là, ils doivent leur donner l'argent. Et puis, on m'a reçu les femmes. Mais il fait un effort pour que chacun dise quelque chose de bien de moi. Moi, je suis le seul là, dans ta vie là,
Tu ne prends pas mon oreille. Mais c'est parce que tu n'es pas spirituel. Tu ne crois pas à ça. Et cette année, il a voyagé par l'honoré Papa Dag. Au début d'année, je suis parti voir Bishop Adebayo. Et vraiment, il a invité mon père spirituel, Pasteur Victor. Il doit aller voir Papa Yaya. Il voulait voir lui et sa femme. Dieu s'est révélé à moi aussi. Papa Yaya, sa femme, il faut la voir aussi. C'est pas facile. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ça, Dieu veut voir ta sagesse. Ta sagesse, comment tu gères ça? Parce que écoutez-moi bien, si un père parle mal de toi, si son cœur parle pas bien de toi, tu as un problème. C'est un problème qu'il a. Il faut tout faire que son cœur n'a qu'à bien parler. C'est que tu peux aller faire pour le voir. Et non, non, lui, est-ce que c'est que ton papa parle mal de toi? Non, on m'en fout, il n'est pas Dieu. Dieu ne va pas le consulter. Dieu ne consulte pas les gens pour te bénir. Tu es nouveau sur la terre. Écoutez-moi bien. On parle des ennemis. Dieu ne consulte pas tes ennemis. Mais Dieu consulte tes parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ton papa dit, ce que ta maman dit, ce que tes pères disent, ça compte pour Dieu. Ça compte. Ça compte pour Dieu. Yeah. Mais ça montre à Dieu si tu es ingrat ou si tu n'es pas ingrat. Il y a des femmes, même ce que ton mari dit, Dieu ne tient pas compte de ce que ton mari dit lorsqu'il voit que ton mari lui-même, il s'est corrompu. C'est-à-dire qu'il fait des choses pour ne pas que tu obéisses à lui, Dieu. C'est tout. Sinon, un mari qui obéit à Dieu, Dieu même regarde comment ton mari pense de toi. Parce que c'est une autorité qu'il a mis sur toi. Mais ils ne sont pas spirituels. Être spirituel, c'est considérer ce que c'est en train de considérer, vous dire. Une femme qui est spirituelle, elle sera toujours attentive à ce que son mari pense d'elle. Surtout si elle est spirituelle. Si tout son mari est chrétien. Ce qu'il dit là, elle ne peut pas passer à la légère. Il m'en fout, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Ah! Toi, tu n'es pas spirituel. Dieu te met sous l'autorité. Et l'autorité ne parle pas bien de toi. Et puis, tu t'en fous. Mais Dieu ne s'en fout pas. Hein? Dieu considère ça. Regarde, si moi, il ne parle pas bien de toi, en tant que mon pasteur, il y a des choses qui sont fermées sur toi comme ça. Dieu va regarder ça pour te lever ou même pour te bloquer. Comment? Mais ça, c'est un gars qui est spirituel qui pense comme ça. Donc, la spiritualité, ce n'est pas de voir les salamandres. Laissez les pauvres salamandres, elles vont grossir un peu. Oui, c'est vrai, il y a des salamandres qui se transforment. Je suis d'accord, mais ce n'est pas eux tous. Depuis que tu as vu que le gars s'est transformé en corbeau, là, toi, tous les corbeaux. Mais ce que tu oublies que dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé des corbeaux pour nourrir Élie. À ce moment, dans l'Ancien Testament, le corbeau était considéré comme quoi? Comme un animal masse impur. Donc, il ne devait même pas toucher Élie. Mais c'est l'animal là que Dieu a envoyé pour donner manger à Élie et pour lui manger. Être spirituel, c'est de considérer ce que la Bible dit là. Tout est vrai. La Bible dit, tous ceux qui cherchent à s'enrichir, suivez, ils font une face dans la foi. Si tu ne crois pas ça, tu n'es pas spirituel. Et si tu crois ça, tu n'as pas cherché à t'enrichir. L'homme qui est spirituel là, croit que s'il cherche à s'enrichir vraiment, il va faire une face dans sa foi. On lit le passage, on lit le passage. 1 Timothée 6. De personne ne me tait. On ne devrait pas compter. Hein? L'Ikazou. Salut-moi mon fils. Si tu entends parler qui me répète, salut-moi, c'est trop fort. Dis à quelqu'un, dis-lui, mon frère, je te donne une information. Il ne faut jamais oublier, quand tu vas voyager, main est dangereuse. Pousse-la, bébé. C'est un match. Nous, on est habillé ici, là. C'est pas dangereux. Non, mon vieux.
Mais à moins que tu arrives à 16h, il n'y a personne dans la ville. Hein? À moins, à 16h, il n'y a pas de taximètre. Il n'y a rien. Tout le monde dort. Mais c'est à 16h là que les microbes sont dangereux. Surtout quand ils sont en train de fumer là, tu nous aimes. Non, pas t'amuser. Non, viens. C'est ça. Tu sais, il y a un vent Goumezo. On va débaucher deux gendarmes à côté de toi. Il y a un ici, ici, et puis tu peux évangéliser. Si tu fais la séance, hein, c'est pas, ils vont te laisser. C'est très dangereux. C'est vrai que nous, moi je suis ici, moi je passe à 16h, mon missionnaire est en train de travailler. Oh mon missionnaire, il est en train de ronfler, il a fermé la porte. J'ai qu'à 18h, il est en train de dormir. Il a fermé les fenêtres, tout ça. Vas-y, c'est quoi, il est très dangereux. Et nous, on est ici, on est en église à Mandja, c'est une église qui ne travaille pas à 16h. Non, moi, dangereux. Non, moi, dangereux, ça, c'est normal. Moi, je reconnais. Oui, oui. Non, moi, c'est pas facile. Moi, c'est pas facile. Salut-moi, mon fils. C'est trop fort. Depuis que je suis pasteur, là. Donc, salut-moi, mon fils. C'est trop fort. Ah! Donnez à 16h. Non, viens. Mais c'est pour ça qu'il est fort comme ça. Fatigué. Alléluia. Amen. Hey. Parole folie. 1 Timothée 6, 9 à 10. Écoutez bien ce que la Bible dit. Attends. Non, attends. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils tombent dans la tentation. Continue. Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Les gens dans la rue, ça veut dire que ceux qui veulent s'enrichir vont se ruiner. Ils vont ruiner leur vie. Ils vont gâter leur vie. Ça, c'est. Si tu es spirituel, ça là, tu as quoi ça? Yeah. Et tu n'as pas cherché à t'enrichir. Si tu es spirituel, tu as considéré Matthieu 6:33. Quelqu'un a lu ça? Matthieu 6:33. Matthieu 6:33. Si tu es spirituel, tu vas arrêter de courir derrière l'argent. Parce que c'est dangereux de courir derrière l'argent. Tu vas, on n'a pas été paresseux, il faut travailler. Il faut faire ton business. Mais tu ne cours pas derrière l'argent. C'est parce que tu travailles pour vivre. Tu dois travailler pour vivre. Mais tu crois que Dieu va te rendre riche. Donc dans le coup bas, tu n'es pas dedans. Marchandise qui coûte 5 000, tu n'as pas vendu à 20 000. Pour mentir aux gens. Yes. Oui, lui. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu es spirituel, tu as quoi? Quand cherchant d'abord le royaume,
Dieu va te donner l'argent. Exemple, tu n'as pas travaillé dimanche. Quand tu travailles pour toi-même, tu n'as pas travaillé dimanche. Et si tu cherches travail, travaille en travail dimanche, tu n'as pas fait. Mais toi, ce n'est pas là où tu cherches. Tu veux travailler. Mais dimanche, ça, c'est pour ton Dieu. Donc tu n'as pas le travail dimanche pour avoir combien? Tu vas pouvoir, tu vas laisser l'an de dimanche pour venir adorer Dieu. Parce que tu sais que c'est Dieu qui est enrichi. Si tu cherches Dieu, Dieu va te rendre riche. Parce que tu crois en la parole, tu es spirituel. Les gens ne sont pas spirituels à tort. C'est pourquoi je suis en train de définir spirituel, ça veut dire quoi? Spirituel, c'est de croire ce que la Bible a dit. Croire comme un bébé, croire comme un enfant. La Bible a dit, c'est ça. Il a dit non, il a dit ce qu'il veut s'enrichir, c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est quoi il voulait dire? C'est quoi il voulait dire? Allongé dans la théologie? Quand on va dans la théologie là, non pas la théologie, allongé dans qu'on appelle un. C'est pas donc. Sétérologie, eschatologie, tout d'interprète là. Herméneutique. Dans l'herméneutique. L'herméneutique, c'est un coup qu'on donne à l'insu public. Oui, mais c'est là d'interpréter les Écritures. Comment interpréter ce que la Bible a dit? Suivez. Dans l'herméneutique, il y a plusieurs livres. Il y a un livre poétique. Il y a un livre prophétique. Il y a un livre historique. Il y a les évangiles et il y a les épîtres. Les épîtres, là, c'est des lettres. Ce qu'il dit, là, c'est ça qu'il veut dire. C'est comme ça qu'on interprète ça. C'est-à-dire, est-ce que toi tu as écrit une lettre à quelqu'un et puis tu as lui dit, tu as envie de lui dire mais et puis tu lui dis vie. C'est comment tu as fait ça? Mais que tu as dit là? C'est moi. Quand tu écris une lettre à quelqu'un là, c'est que tu as écrit là. C'est ça qui est ça. Hein, chef? Donc ça, c'est une lettre. Suivez ici, calmez les enfants, s'il vous plaît. Yeah, suivez ici. Quand tu as écrit. Quelqu'un n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à le jouer en haut. Ça va? Je vais dire. Et allez, ce qu'ils ont dit là, c'est ce qu'ils avaient dit. C'est une lettre. Donc il n'a pas voulu. Ce qu'il a dit là, dis à quelqu'un ce qu'il a dit là. C'est ça, ça veut dire. Et si tu es spirituel, hein, tu vas croire en ça. Mais c'est ce que beaucoup de gens ne croient pas en ça. Les gens ne croient pas qu'en cherchant l'argent, ils vont ruiner leur vie. Et ils cherchent l'argent et ils ruinent leur vie. Ils ne sont pas spirituels. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Si tu es spirituel là, que tu es orgueilleux là, tu vas arrêter d'être orgueilleux. Parce que tu sais que façon tu as commencé là, Dieu va te bloquer. Un jour, ça m'est arrivé comme ça. Vous savez, j'avais un problème avant. Mon cœur s'enflait seul. Ça s'enflait. Je sentais ça. Dans mon cœur, dans mon corps. En rêve. Il faisait ça en rêve. Et puis un jour, j'ai vu ça physiquement. Et on était en train d'adorer le Seigneur. En plein culte. Moi, j'aimais me poissonner. J'aime me poissonner, mon cœur dit, tu veux te poissonner devant qui? Et puis mon cœur s'est enflé. Il est qui même? Et puis tu as te poissonner devant lui. Il a commencé à pleurer. Tu sais pourquoi il pleure? C'est que mon cœur a commencé, il veut nous mettre dans le problème. Je sais que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc il sait que mon cœur veut me tuer. C'est pour ça qu'il commence à pleurer. Dieu, donne-moi une solution. Ce cœur, il faut qu'il reste au cas. Et un jour, dans une discussion, Dieu m'a donné la solution. Il dit, faut combattre le cœur. Il a commencé à combattre. C'est 2 ans après avoir prié, qu'il priait chaque fois. Un jour, il faisait délivrance d'une femme. Et puis mon cœur s'est divisé en deux. Une partie a disparu. Mon cœur est devenu petit dans mon cœur. C'est là que je suis ma délivrance. Quand je faisais délivrance de quelqu'un, c'était à Bandoukou, je me souviens.
En octobre, en septembre. Yeah. Depuis, j'ai été délivré. Mais il était mort. Si c'était quelqu'un, il ne savait pas que Dieu, je ne considérais pas que Dieu résiste aux orgueilleux. Toi, tu es gonflé. Et on te parle. C'est toi qui t'en fous. Mais tu sais pas, il faut que tu fais comme ça là. C'est que Dieu va te faire. Pourquoi tu marches comme ça? Toi-même, tu vas voir. Yeah. Dieu peut t'humilier. Parce que les orgueilleux, c'est pas l'humiliation qu'on peut te briser. Qu'est-ce qui fait que tu es orgueilleux? Qu'est-ce qui fait que tu parles mal aux gens? C'est l'argent, non? Il enlève là, là. Tu n'as rien. Mais tu es là maintenant. Même dans rien, là, tu es un peu fier, je ne vais pas demander. La faim te tape jusqu'à. Et je te dis, attends, demander. Tu as vu, non? C'est comme ça que Dieu te brise. Ou bien soit ton enfant tombe malade, il est hospitalisé. Il va mourir, il n'y a pas quelqu'un. Tu as oublié de demander. Dieu te rend humble comme ça. Te rend humble. Donc c'est mieux, tu as devenu humble de toi-même. C'est pas plus facile. Ça fait moins mal. Yes. Que Dieu vous bénisse. Donc, être spirituel, il ne faut pas chercher tous les mots. Non. Être spirituel. Tu sais, dans le mot spirituel, il y a spirit. Et le monde des spirits, c'est le monde des esprits. Un homme spirituel, c'est un esprit. Il faut être un esprit. Dis à quelqu'un, tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. Oh, c'est comme ça. Un jour, on était parti à Daloa pour prêcher. Moi, je suis venu prêcher. Il n'était pas encore très loin. Donc, il a prêché, on a fait un peu de trucs. Mais il y a un homme là, il était dans les mystères seulement. Et puis un jour, on parlait, et puis il a dit, mais tu parles là, mais Kakou Séverin, c'était un homme de Dieu. Ouais. Il dit, mon frère, Kakou n'était pas un homme, hein? C'est un esprit. Il a dit quoi? Moi, je suis assis, il veut dire quoi même? C'est un esprit là, ça veut dire quoi? Non! C'est vrai, c'est un vieux père, ça faut reconnaître. Mais en fait, il a compris, il ne comprend pas que c'est un esprit là, ça veut dire quoi? C'est un esprit, d'accord, mais ça veut dire quoi? Parce que moi, comment je comprends ça? Comment moi, je peux devenir esprit? Si je peux dire esprit, chez les enfants, sur le mystère, le monde des esprits, faut être un esprit. J'ai dit quoi? Comment deviens esprit là? Toi-même, tu quittes à l'église, tu marches, tu dis, mon quel esprit, comment? Il est esprit. Esprit comment? Ah. Alléluia! Mais de toute façon, esprit, tu as compris, non? Spirituel là, c'est de croire que tout ce que la Bible a dit là, c'est vrai. Et d'appliquer ça. Si tu crois que c'est vrai, tu as devenu spirituel. Si. Mais ne pense pas que tu peux gâter ta vie, esprit. Ou bien? Yes. Dis amen bien. Oh yes. La parole. Je vais vous dire, les gens qui sont spirituels sont attachés à la Bible. Il y a de te parler. Tous ceux qui ne considèrent pas la Bible ne sont pas spirituels. Attends. Croyez-moi. S'il veut le feu, la cache est dans sa bouche. S'il ne considère pas les Écritures, ce qui est écrit là, n'est pas spirituel. Attends. Croyez-moi. Il ne va pas faire long feu. La parole de Dieu a été éprouvée 7 fois. 7 fois. Ça ne tombe pas par terre. Tu vois ça comme ça. La Bible là, ça ne tombe pas par terre. C'est ce que la Bible a dit là. Ça arrive. C'est ça que ça. Faut être très spirituel pour considérer. Yes. Aujourd'hui, ce que vous appelez spirituel, ce n'est pas spirituel. Vous, spirituel, va venir, onction, c'est pas ça. Alors, c'est un spirituel. Il voit. Non, 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 non.
Celui qui prend la Bible puis considère ce qu'il y a dedans, puis il applique. Il est plus spirituel que toi qui fonctionne. Qui n'applique pas. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui fonctionnent sont sanels. Non. Il y a les gens là, ils appliquent et puis ils fonctionnent. Mais ce n'est pas par l'onction qu'on dit. C'est pas parce que quand il dit onction, c'est pas l'onction qu'on dit, mais c'est pas l'onction tombée là. C'est pas ça. Qu'on détermine quelqu'un qui est spirituel. Moi j'ai connu des gens. Eux-mêmes ils ont dit, ils vont coucher des femmes, ils ont veillé à 3h du matin. À minuit sur l'hôtel. Et une femme qui n'est pas sa go. Il couche et puis vient à 3h du matin, il prend le micro. Il dit, mais c'est là même, c'est gâté même. L'onction est royale. Le là-bas de là-bas. Mais un gars comme ça là, il n'est pas spirituel. Il est charnel. Parce que être charnel, c'est de faire les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quoi? Lisons. Galates, chapitre 5, verset 22. C'est 22, non? 19. C'est le fruit de l'esprit. 19, merci. Vas-y. Façon de faire, c'est bon, mais d'aller vite, vite. Oui. Suivez. Or, les œuvres de la chair, c'est celui qui est charnel. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. Quand tu couches une femme qui t'a pas mariée, tu es charnel. Tu es impudique. Un homme qui t'a pas marié, tu es charnel. C'est l'impudicité. Tu es charnel. L'impureté. Impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie, tu adores idole, tu mets un truc là, c'est Dieu, tu te procèdes devant lui. Ou partez au champ, voir Dieu, c'est un caillou. Ou bien la rivière qui passe, quoi est la gore. Ou bien quoi, plus où Jenny. Ou bien, comment on appelle rivière là, rivière. Du quoi? Doupé. Doupé, c'est ça, non? Doupé. Toi, c'est Doupé qui est ton Dieu. Tu es Chanel. Tu as vu, non? Pourtant, ce n'est pas Doupé, mais c'est les petites statuettes. Oui. Il y en a, tu dis, vous ne mangez pas biche. Parce que c'est biche qui a sauvé votre ancêtre. C'est Chanel. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les inimitiés. Tu ne parles pas à les gens. Et lui, là, il ne parle pas à lui. Il est mauvais. Tiens, palabre les gens, tiens Chanel. Les querelles. Querelles, palabre. Tu fais palabre. Tu es Chanel. Les jalousies. Tu es jaloux. Même dans le foyer. Oh, ya. Si. Même dans le foyer, tu ne dois pas être jalouse ni jaloux. Tu es Chanel. Tu es Chanel. Non. Soupçonner, non, c'est la chose de la chair. La jalousie. Les disputes. Disputes. Palabres, querelles. Les divisions. Les divisions, tu divises les gens. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. Quand tu vois ton camarade, c'est qu'il a, tu veux ça. Oh, tu n'as pas le moyen d'avoir ça. Tu es envieux. Oui. L'ivrognerie. Ah! Comme le missionnaire dit là. Le missionnaire parlait là. L'homme de Dieu. Alors. C'est qui? C'est moi le chef toi. Et pourquoi? Et m'en fous de toi. C'est moi. Mais je sais, mais t'as bien cri. Il a simplement dit, c'est pas ça, Dieu, tu vas entendre le problème. T'es frappé, toi, l'autre. T'es tête dans ton ventre, avant. Est-ce que tu sais que c'est papa Claude qui crie. Mais papa Claude qui crie. C'est un bâtard! C'était pas facile.
C'était waya. C'était pour l'instant waya. C'est compliqué. Non, il n'est pas arrivé qu'à passer à côté. C'est moi qui. C'est moi qui. Vous avez vu, non? Mais ce qu'on peut te dire dans tout ça là, faut pas jouer main. Non. Faut pas jouer main. Et lui, ici, man, c'est combien de deux, un partant, un quart. Vous quittez à quelle heure, vous n'avez à quelle heure? 10 heures, non? Disons 10 heures. Donc tu sais que man, là, tu dois arriver à 15 heures. Donc quitte à 5 heures. Hein? Le jour où tu vas à man, réveille-toi à 4 heures, sois à la gare à 5 heures, et puis dis au chauffeur, mais dangereux, hein? Il faut qu'on arrive à 15h. Ben, à 16h, il vient chez moi. Enfermé. Salut-moi. C'est fort, c'est fort. Maman, y'a maman qui t'a acheté pour moi, maman. Hier là, quand on faisait la réunion, c'était à 1h du matin. Quand il a dit ça, les gens du monde sont réveillés. Tous ceux qui dormaient à main se sont réveillés, un coup sur le lit. Et puis ils sont couchés. Vous avez vu, quand souvent on fait des trucs dans Facebook, et puis quand tu dis un mot, on dit. C'est même chose. Quand il a dit ça, maintenant, tout le monde s'est réveillé. Mais c'est ta main. Tu es sûr que c'est ta main? Pourquoi on reste à 22h dehors, hein? Non, c'est pas de la 18h, c'est pas à main. Parce que à main, tu dois être à 15h. Main est trop dangereux. Non, salut-moi. C'est fort. C'est trop fort. Alléluia. Donc vous avez vu, non, être un chrétien spirituel, c'est ça. Donc si tu fais ça, là, tu es Chanel. Hein. Donc être un chrétien spirituel, tout ce que la Bible dit là, tu fais, tu crois et puis tu fais. Quand la Bible dit, suivez ici, quand la Bible dit aussi quoi? Il a fait des dons pour le perfectionnement de ses envies de l'œuvre du ministère. Tu crois à ça aussi? Tu crois que toi, tu dois servir Dieu. Même si tu vends, tu peux continuer à vendre et puis servir Dieu. Si tu ne crois pas en ça, tu n'es pas spirituel. Car la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Et sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. Et c'est dans l'Apocalypse. Donc, ça veut dire que dans le Nouveau Testament, nous sommes des sacrificateurs. Tu crois en ça. Tu crois que Dieu t'a appelé là. Même si aujourd'hui, on ne voit pas, toi, tu dois servir Dieu. Si tu ne crois pas en ça, tu n'es pas spirituel. Yes. Et ça, on voit que beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituels, hein? Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. L'argent, voyage, mariage, enfant, voiture, maison. C'est tout. Il n'y a rien de spirituel. C'est que Dieu ne faut pas on va chercher là. C'est ça qu'on cherche. C'est que Dieu va nous donner là. Nous, on cherche ça. On n'a pas confiance qu'il peut nous donner. Ça montre qu'on n'est pas spirituel. Attends. Qui a béni par ce message? Yes. Les enfants, croyez-moi. Ne restez pas là pour dire, mais papa, que pas comme ça, mais dans toute l'église, on ne dit pas ça. Écoute-moi très bien. Un jour, Dieu m'a montré une vision en Côte d'Ivoire. Je m'envolais, je partais à chose.
à San Pedro. Il était au-dessus d'Abidjan. Tout Abidjan. Tout était dans le noir. Ce qui m'a touché, je cherchais le lampadaire. Il n'a pas eu lampadaire. Tout était dans le noir. Jusqu'à San Pedro. Il y avait dans quelques maisons des petites lumières. Mais le lampadaire, je n'ai pas trouvé. Et puis Dieu m'a dit, ton pays là, c'est dans le noir. Oh, la parole de Dieu, la parole de Dieu est la lumière. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne prêche pas assez la parole de Dieu. On bavarde, mais on ne prêche pas la parole de Dieu. Mais on ne prêche pas la parole de Dieu. Parce que la preuve, je suis sûr que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez ce verset de 1 Timothée 6, 9 à 10. Où on dit, celui qui veut s'enrichir va faire un naufrage. Ça, c'est la version qu'on ne dit pas dans les églises. Et ça fait ce qu'il dit là. Il faut te montrer toutes les sommes. Mais ça, on va te montrer. La parole de Dieu, c'est un ensemble. Si. Donc, il faut pas te... Il est certain de prêcher la parole de Dieu. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais ça veut dire que c'est parce que la parole est en nous que nous sommes la lumière. Il est surtout éclairé. C'est lui qui minimise la Bible. Donne-moi une Bible physique. Il n'y a pas une Bible physique ici. Je vous ai dit, tu venais, tu as une Bible physique. Moi, j'ai ma Bible physique ici. Celui qui minimise ça là, tu n'es pas spirituel à tort. Si tu veux, il faut avoir les millions. Si tu veux, Dieu regarde tes bénis. Comme quelqu'un que j'ai connu une fois, elle couchait tout le monde parce que Dieu lui a fait grâce, elle a fait un voyage. À quoi qu'elle est arrivée? Elle croit que non, Dieu, toi, elle. Je lui ai dit, mais toi, tu es une plaisantine, hein? Tu vois, c'est quoi? Toi, tu couchais tout le monde et puis tu crois que non, tu es arrivé? Que non, tu es dans l'air spécial, Dieu? Je ne te critique pas, mais calme-toi, diable pied. Calme-toi. C'est parce que tu as voyagé que tu es spirituel. Non. Ah non, non. C'est parce que Dieu t'a exaucé que tu es spirituel, hein. Ah non. C'est parce que tu as eu la porte s'est ouverte que tu es spirituel, hein. Dieu donne à manger même aux animaux, hein. Et t'as pas payé pour rien, puis il donne à manger, hein. Faut te calmer. Les oiseaux, là, il y a certaines façons, tu vois, façon, ils sont sur le lit. Ils sont plus beaux que nous-mêmes dans tous nos vêtements les plus luxueux. Mais ils ont fait quoi? Faut te calmer. Celui qui est spirituel, c'est celui qui considère la parole de Dieu. Et qui croit en elle. Qui croit. Qui croit. Qui croit. Puis il met ça en pratique. Quand il dit ton mari est ton chef, elle sait que son mari est son chef. Quand son mari parle, elle ne parle pas d'eux. Même s'il a tort, elle sait qu'elle est son chef. Elle dit pas, ah, fais les chefs à lui, il faut que nous dise deux mots. Tu vois des gens, non, c'est là que tu vois que les gens adorent l'argent. Les gens sont prosternés devant la statue qu'on appelle l'argent. Croyez-moi, comme au temps de Nebuchadnezzar a érigé une statue. Il a dit le monde a se prosterner. Daniel et ses frères ne sont pas prosternés devant la statue. Mais aujourd'hui, il y a une statue qui est érigée, c'est l'argent. Tout le monde se prosterne devant. Pourquoi? Ton patron, tu ne peux jamais parler mal à ton patron. Il n'a qu'à te chuter, oui patron, le chef, il a compris chef. Mais ton mari, il n'a qu'à parler. Tu as lui dit de ces mots-là. Parce que ton mari ne te donne rien. Mais tu t'en fous de lui. Oh, c'est ton chef aussi. Mais quand tu n'es pas spirituel, et que toi tu n'as d'intérêt que pour l'argent, tu es devenu Chanel là. Tu conseilles les gens en fonction de ce qu'ils sont. Et non en fonction de ce que la Bible dit. Ton mari est ton chef. Ton pasteur est ton chef. Ton pasteur est ton chef. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Carrément. Tu n'es pas spirituel. Ton papa est ton chef. Ta maman est ton chef. Tu ne peux pas leur parler comme tu veux. Non, contact avec maman. C'est toi qui m'as accouché. Pas demandé à venir au monde. Ah non. Toi, on devait t'affronter. Les cachous, ça va dire. Tu vois que la vie est douce. Bon, on t'a accouché. Qui t'a dit de durer? Faut partir. Faut te tuer. Tu n'as pas envie d'être là. Faut partir. Tout à l'heure, j'ai dit esprit de mort. Tu as commencé à guérir pour fuir. Tellement la vie que tu ne voulais pas. Tu aimes ça tellement maintenant. La vie est chic. Ouais. C'est pas intéressant de bouger. Tout est doux. Tu manges, c'est doux. Tu dors, c'est doux. Tu t'habilles, c'est doux. Même si tu dors à 16h,
c'est doux. Même si moi, est dangereux. C'est encore plus doux. Moi, est dangereux, mais il est là-bas toujours. C'est ça pour mes yeux. 6 à 10 heures. Ouais, ouais. C'est mon sommeil. Hein. Tout est doux. Ça fait ce que je dis là. Souvent, tu es là quand pipi t'attends comme ça, que putain, tu pisses là. Oh! Même pisser est doux. Ça fait ce que je dis là. Même diarrhée. Quand tu as diarrhée, puis tu es libéré, le vent souffle comme ça. C'est là que tu vois que la vie est belle. Des personnes me disent. C'est bon. Ton mari, il est doux. Ta femme, elle est douce. Tu sais de quoi il parle? Un jour, il y a mon professeur qui disait, il dit les femmes, quand elles vont accoucher là, c'était à l'université, elle dit c'est la dernière, c'est le dernier. Quand douleur la fatigue, c'est le dernier. Mais bouffe encore. Il y en a même qui insultent le mari, le bâtard m'a insulté. Il y a une, on dit ton mari, mais il dit mon mari, c'est un bâtard. Tout ça, c'est douleur qu'elle t'a fait ça. C'est un mot de son mot dit il y a 10 000 fois. Il n'y a plus, c'est mon dernier. Quand enfin la sort, elle est là. Il dit, mais comment pour faire doux? C'est pour accoucher que 10 jours pour faire un truc dedans là. C'est doux. Donc, elle sent encore. Oh! Alors là, non, la vie est chique. Tu te vois que les gens ne veulent pas mourir. Oh, on leur a dit que le paradis est doux qu'ici, mais ils ne sont pas prêts. Et ne croient pas qu'on peut avoir plus doux que ça là encore. Il y en a, tu l'as dit. Le paradis là, on peut avoir le sexe. Il dit, il faut que je me marie avant de partir. Il y a un mec qui pense, Seigneur, il ne faut pas venir encore. Hein? Calme-toi. Il faut que je ne suis pas encore marié. Oh, on lui a dit que le paradis est doux, que la terre, mais il n'est pas prêt. Parce que là-bas, là, il ne sait pas c'est quelle douceur tu parles. Le goût de la terre là. C'est pas facile. Alléluia. Hein, ça, toi, tu as dit à ton parent que non, il n'est pas demandé à venir au monde. Tu es stupide. Et tu n'es pas spirituel. À toi. Yes. Dis amen bien. Dépêche-moi de me dire. Ouais, j'ai duré ce côté spirituel là parce que les gens ne sont pas spirituels du tout. Les gens ne comprennent pas ce que c'est. Qui a maintenant compris ce que ça veut dire être spirituel? Yes. 5. Donc quand tu es spirituel, tu es fort, tu deviens fort, ok? Donc il y a le simple fait de croire tout ce que la Bible dit là. Tu es devenu fort. Tu deviens fort. Être un chrétien fort, c'est être un chrétien sanctifié. Hébreux 12, 14. Ouais. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Yes. Ouais. Vous savez, la sanctification, quand on parle, il vous dit être saint, c'est quoi? Les gens qui ne savent pas être saint, c'est quoi? Hein? Vous pensez que c'est ce que vous pensez, c'est pas ça? Être saint, c'est être mis à part. Je prends un exemple. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, non? Les ustensiles, il y avait des éléments. Mais dans l'Ancien Testament, pour adorer Dieu, c'était avec les animaux. Quand tu viens, on les gorge, on recueille le sang. Il faut des récipients. Dans des récipients, on recueille le sang. Il y a un coin là-bas où on le brûle. On en a des parties pour le brûle. On le brûle. Donc il y a des ustensiles pour tout ça. Mais les ustensiles, on prenait seulement pour faire que ça. On appelait ça des ustensiles. C'était sanctifié, mis à part pour l'Éternel. On a mis l'huile dessus. Donc tu ne peux pas passer à parler de manger à checker. Tu as mourir. Tu peux parler de manière directe, tu meurs. Et puis les gens là, c'est seulement les pasteurs qui devaient toucher. Si tu n'es pas consacré, tu touches ça, tu meurs. C'est comme par exemple l'arche de l'alliance. Le jour où on envoyait ça dans la cité de David. Et puis l'arche là, ceux qui ont porté là, ça voulait tomber. Et puis il y a un gars
Or, il ne doit pas toucher. Ce qui tombait là, il a pris pour bloquer, sa main pour bloquer. Il est mort. Sur le champ. Sur le champ. Ah, vous savez pas ça. Il est mort sur le champ. Parce qu'il ne doit pas toucher. C'est pour ça souvent l'hôtel ici là. Les gens ont peur de monter. Mais c'est un lieu saint. Toute l'église met un lieu saint. Amen. La chair est saint. Mais c'est saint là. C'est saint, c'est que c'est mis à part. Ça là comme ça, si tu vas, tu peux trouver ça dans les conférences. Hein. Mais on ne peut pas prendre ça là pour aller faire conférence avec ça. Toi-même, si tu fais ça là, tu es quelqu'un que Dieu va bloquer. Regarde, j'ai dit à mes enfants, les caméras, les appareils, tout ce que vous voyez là, ils n'ont pas qu'air de prendre ça pour aller faire tout des païens. C'est sanctifié. Je leur ai dit, même les ordinateurs qu'ils ont, qu'ils voient ça à la maison, on ne doit pas entendre musique païenne dedans. Ils ne doivent pas chanter, ils ne doivent pas mettre musique païenne dans l'ordinateur. Mais c'est sanctifié. C'est pour Dieu. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Et nous, en tant que Seigneur, on a été sanctifiés, nous les enfants de Dieu là. Quand tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose qui te sanctifie. En fait, tu es mis à part. Sanctifié, c'est-à-dire toi là, tu es mis à part pour Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. Tu peux pêcher, il n'y a pas de péché. Ça peut arriver. Mais tu es mis à part. Et si tu as péché, tu as le sang de Jésus pour te purifier. Amen. Mais tu dois pas, faut pas pécher parce que si tu pêches chaque fois, tu seras immature. Amen. Parce que tu dois grandir spirituellement. Alléluia. Tu es mis à quoi? Tu es mis à part. Et mis à part, ça veut dire quoi? Tu ne fais plus n'importe quoi. Tu utilises ton corps pour faire quoi? N'importe quoi. C'est comme une femme et son mari. Une femme, par exemple, son corps est sanctifié pour qui? Son mari. Elle ne peut pas le donner au voisin. Donner à la voisine. En général, tout le monde touche. Quand c'est comme ça, c'est plus sanctifié. C'est sanctifié parce que c'est pour lui seul. C'est lui seul qui a le droit de la toucher. Yeah. Tu comprends? C'est pareil. C'est Dieu seul qui a le droit de t'utiliser. Tu ne dois pas laisser ton corps utilisé par les gens. J'ai déjà allé danser la musique du monde. Tu apportes ton argent pour aider les maquis. Tu es partout qui est malsain. Non, quand c'est comme ça, ça, tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas saint. Quelqu'un qui est saint, il est sur les choses de Dieu. C'est pas il vous a dit, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait mon choix. Je suis un homme d'église. Je suis né pour bâtir l'église, pour faire grandir les églises, pour faire grandir le royaume. Tout ce que je fais, même quand il te donne l'argent, c'est pour qu'un jour, tu deviennes pasteur. Ah, tu sais pas ça? Même quand il cherche travail pour toi, c'est pour qu'un jour, tu sois pasteur. Je ne fais pas les choses pour faire grandir un magasin de quelqu'un. Ah non! Pour faire grandir, non. Je peux te donner les enseignements pour que tu fasses grandir tes affaires. Mais même quand je fais ça, c'est pour qu'un jour tu puisses soutenir l'église et tes finances. Tout ce que je fais, moi, c'est pour le royaume de Dieu. J'ai été consacré pour ça. Alors je suis saint devant Dieu. Qui voit qu'il est saint? Ah, tu as vu, non? C'est tout ce que tu fais, c'est pour le royaume de Dieu. Ah, tu es saint. Ta vie, c'est pour développer le royaume. Tu es saint. Faut pas Satan va te blaguer. Parce que non, tu as une sensation. Tu as vu, non? Ah, ah, ah. Tu es saint. Tu es saint. Dis à ton voisin, tu es saint. Dis à ton voisin, tu es saint. Ok? Maintenant, parce que l'assiette a été consacrée, elle ne peut plus faire n'importe quoi. Uh-huh. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu ne peux plus faire maintenant quoi? N'importe quoi. Imagine quelqu'un que Dieu a consacré, ou bien on dit le président mange dedans. Et puis on vient assiette là, le cuisinier est en train de s'amuser dedans, ou bien le vigile est en train de manger dedans. Est-ce qu'on veut? À cette que le président mange dedans, vigile, il ne peut pas manger dedans. Non, c'est désolé. Oui, la salle n'a pas sa place. Tu as vu, non? C'est comme ça que vous êtes, vous, les femmes. Vous avez été consacrés. Ne laissez pas n'importe qui venir vous toucher. Est-ce que vous savez que quand tu es une femme, tu es là, tu es enfant de Dieu, puis n'importe qui te touche, Dieu a honte. C'est comme femme de président, et puis tous les petits étudiants la couchent à elle. C'est-à-dire, le président même là, il s'est déshonoré. Par moi, je dis, c'est un autre président qui t'a touché, au moins. Tu l'as. Mais tu l'as rabaissé même.
Tu l'as humilié même. Elle, c'est fois ce qu'elle dit là. Si. C'est pourquoi souvent il y a des femmes, elles sortent, elles sont cuisinières là. Le mari est là et puis. Il ne sait pas ce qu'elle veut. Elle n'a rien dans la tête. Comment tu as sorti un cuisinier? Tu t'abaisses. On t'a élevé, on t'a élevé. Mais tu t'abaisses. Et c'est ce que nous faisons souvent. Dieu nous a élevés comme ça. Mais nous, on se rabaisse. Pour que les n'importe quoi, des païens, des incirconcis de cœur, ils soient incirconcis de cœur. Est-ce que vous savez que les juifs là, tu n'as pas cœur de marier juive. Quand on a parlé, ils se promènent. Les juifs. Oh, toi, tu les connais mal. Hein. Quand on est arrivé là, à l'aéroport, hein, on était supposé rester dans la ville. C'est le dernier rempart. Mais l'aéroport est très grand. Maintenant, tu arrives dans le dernier rempart. Dès que tu t'amènes, ça, c'est la ville. Il y a beaucoup de checkpoints comme ça. Il y a deux portails. Même encore, si on fait ça, hein. Il y a les Ivoiriens qui, d'un côté, et puis il y a ceux qui ne sont pas Ivoiriens d'un côté. Ah, tu sais pas ça? Quand tu sors, toi, tu n'es jamais sorti en avion. Quand tu sors en avion, là, bientôt tu vas sortir en avion, même Jésus. Yes. Chaque fois qu'il me sort quelque chose qui est bon, il faut dire amen. Toi aussi, tu seras là-bas un jour. Donc, quand tu reviens encore, tu vois ici, là, les Ivoiriens d'un côté, et puis les non-Ivoiriens d'un côté. C'est la même chose là-bas aussi. Dans tous les pays, c'est comme ça. Quand tu arrives, les gens du pays, là, d'un côté, et les États. Donc, nous, on est parti du côté étranger. Mais ce qui m'a touché, il y avait une juive parmi nous. Maintenant, on lui demande pourquoi elle est parmi nous. Elle dit parce qu'elle a fait un enfant qui n'est pas juif. Elle dit, elle est partie côté juif là. Ils l'ont chassé à cause de son enfant. Non, non, non. L'enfant là. Son papa était américain ou quoi là. Non, 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 il n'est pas juif. Allez, retourne. Il faut aller passer côté. Les juifs se marient entre juifs. Pour une famille juive. Si tu t'es marié avec un non-juif, tu as déshonoré la famille. Parce que pour eux, les non-juifs sont incirconcis. Vous savez, maintenant, on s'est circoncis par mode. Hein? Qui c'est ça? Tu sais que nos parents, là, ils sont pas. Il y a plein qui ne sont pas circoncis hein, au village là. C'est la mode, hein? C'est la mode qui fait le monde se circoncis. Mais les filles, aujourd'hui, quand ils voient qu'ils ne sont pas circoncis, oh, non, t'es, non, t'es, ça là. Et ça fait ce qu'il dit là. Est-ce que c'est vous ce qu'il s'est dit là? À moins qu'il a caché le truc. Quelqu'un fait dans le noir. Elle dit comment dans le noir? Faut allumer. Il faut qu'on voit. Il cache quoi? Elle dit non, 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 toi aussi. Non. Il faut aller couper ça. Donc, chez les juifs, nous on est des incirconcis. C'est eux seuls qui se circoncisent. Donc, quand tu touches une juive, hein, déshonneur là, il se dit un incirconcis a touché une personne de l'éternel. Ça leur fait mal. Mais c'est pareil. Nous sommes des princes de Dieu. Et puis on laisse des gens qui ne sont pas des princes. Est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que, quand tu es de la famille royale, et puis quelqu'un du peuple te touche, c'est un mondain déshonneur pour la famille. Si quelqu'un doit te toucher, ça doit être un roi. Ou bien un enfant de roi. Un prince. Si. Mais de nos jours, l'argent a tout gâté. Les soeurs sont là. Au lieu de laisser les princes qui sont nés de nouveau, les marier, elles préfèrent marier des gens qui ne sont pas princes mais qui ont l'argent. Tu t'es déshonoré. Mais quand Dieu te regarde, quelqu'un qui n'est pas prince. Un jeune du peuple, un gars du peuple, toi tu es princesse. Non, mais si quelqu'un doit te marier là, c'est un prince. Et un prince, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il est aussi enfant de Dieu. Et si tu n'es pas un, faut pas laisser ton corps, n'importe qui va te toucher comme ça. Et il faut te préserver. C'est ça la sanctification. Tu es une qui est sur toi, tu ne dois plus faire n'importe quoi là. On ne doit plus te toucher. Et souvent du terme, on est écarté tes cuisses partout là. Ah! Aïe, 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 aïe. Demande à ton voisin qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Y a, vous savez ce que je veux dire là? Vous pensez à moi. Un jour, il y a un monsieur, un parrain qui parlait. Il dit, oh, les filles évangéliques, elles sont faciles. Il dit, lui, chaque dimanche, lui, donne une. On dit, comment il fait? Il dit, c'est facile. Il me met devant l'église, un peu devant là-bas.
Et puis il garde ma jolie voiture. Et puis je suis à côté de la voiture. Et puis il demande à une de la déposer. Dès qu'elle rentre dans son domicile comme ça. Parce que quand elle va voir, elle va entrer là. Elle a maguéré. Tu es jolie, hein? Elle t'invite à manger, elle va accepter. Tu me plais. La 4-4, elle a vu là. Elle dit, voilà son mari qui est là comme ça. Et la nuit, ils vont dormir ensemble. Et quand tu es parti, tu l'appelles, il ne prend plus. Il a, sa voiture est comme un piège pour nos jeunes soeurs. Mais quand tu es attaché à l'argent, que dans ta vie, tu dois réussir à tout bout de champ. La première voiture, tu es rentré dedans. Tu es rentré dans la voiture, tu es devenu quoi? Calme-toi. Calme-toi. Ou nous, quand tu respectes un peu, amen. Dis amen bien. Fais-toi respecter. Dis à quelqu'un, fais-toi respecter là. Voilà maman, voilà maman. Souvent il dit aux jeunes filles, allez voir maman, elle va vous donner des conseils. Elle s'est mariée vierge à 18, 17 ans. Écoutez-moi bien. Elle a vécu avec son mari des années. Ils ont fait des enfants. Il est décédé. Depuis, il est décédé. Elle dit, un homme ne veut pas la toucher jusqu'à qu'elle va mourir. Elle est là. Elle se respecte. Elle respecte son corps. Yeah. Yes. Elle se respecte. Elle respecte. Il y a des gens, mais quand tu dis que lui, elle a touché, tu as assis, tu dis, non, vraiment. Tu ma fille, c'est vrai, tu avais faim, mais quand même, faut pas exagérer. Elle, c'est vous ce que j'allais dire. Toi, Dieu a mis lui sur toi, il t'a consacré. Tu n'as pas dit, mec, qui va te toucher comme ça? Préserve-toi pour ton mari. Tu dois mettre ta tête que où je suis là, c'est mon mari qui doit me toucher. Ton fiancé même n'est pas ton mari. Mais tu peux te donner, il va frapper et puis après vous ne vous mariez pas. Framponnez bien, nettoyez bien. Ma vie, nettoyez le coin, enlevez tous les toits d'araignée, tout ça là. Déboutonnez, il va déboutonner ça bien, bien. Nettoyez même comme quelqu'un même. Comme il sait que c'est pour nettoyer un coup pour partir là, il nettoie ça très mal d'une manière là. Et puis ça va. Regarde le mécanicien. Toi-même tu marches et puis tu sais que oh, le gars il m'a nettoyé. Ah! Et puis il va me tuer. Un jour, il y a une dame qui disait comme ça, elle dit, ah, c'était son gars. Elle dit non, lui il va casser mes amortisseurs. Il va me tuer. Tu as fait, il va enlever tout jus là. Et ton mari vient, mais il n'y a plus jus. Tout est tombé, tombé comme ça. Quand tu passes soutien là, il pense qu'il a fait un bon tour bien pour. Mais quand tu enlèves, gars, c'était deux soutiens, mais c'est-à-dire que un soutien. Ah, j'ai un soutien dans son gonflé, moi. Ah, j'ai un soutien dans son gonflé, moi. Ça a même façon, c'est-à-dire que c'est gonflé comme ça. Tu crois que c'est le gros, c'est un petit de l'homme. Et puis soutien est gonflé comme ça. Et puis c'est le petit de l'homme. Quand tu vois, tu dis, mais elle est lourd. Maintenant, tu as fini de marier ça. Comme tu ne dois pas la toucher avant, mais tu as fini de marier ça. Quand elle enlève ça, tu tiens couché, tu dis, eh, hey, Seigneur. Dans quoi je suis là? Et donc, Seigneur, je t'ai fait quoi? Puis tu me donnes un truc comme ça. Tu entends là-bas, Seigneur, toi, tu sais que j'aime le gros lolo, mais tu vois ce que tu m'as donné. Il y a des petits, petits, quoi. Et puis, c'est tombé en plus. Aïe! Mais qui a fait tomber ça? Un circoncis, un païen. Il a levé tout sur lui, puis tu n'as pas marié. Maintenant, le prince maintenant doit te marier, il n'y a plus de jus. Il y a la position, mais on ne peut plus faire. Parce que le gars, il a cassé, il a déboîté ton pied. Là. Donc, en fait, aïe, aïe, ça fait mal doucement. Aïe. Parce que le gars a cassé ça. Oh!
Papa, j'ai. Les hommes, tu sont foutus. Pas facile. Alléluia. Dis à quelqu'un, préserve-toi pour ton prince, pour le prince. Dis ça à quelqu'un. Préserve-toi pour le prince. Pour le prince, pour le prince. Amen. Yes. Qui a béni par le message? Si tu as tout est tombé, que Dieu maintenant que tu es devenu chrétienne, que Dieu te ressort dans le Jésus-Christ. On ne peut pas faire revenir ça comme ça, mais au moins, il reçoit l'onction au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le jour, si un jour j'ai l'argent, tu allais faire refaire les saints. Après avoir fait tous vos enfants. Amen. Hey, où est? Non. Il dit, une femme bien arrêtée comme ça, elle est belle. Je vous commande quelque chose. J'ai dit, j'imagine quoi. Tout est arrêté comme ça. Elle est belle. Il y a un de mes amis qui a marié une femme comme ça. Qu'il a fait, il dit mon frère, ma femme. Elle est belle. Il dit, tu la vois comme ça, elle n'est pas belle. Mais elle est belle. Et puis qu'il la regarde comme ça, là, pas facile. Le corps des femmes et puis le corps des garçons, c'est pas la même chose. Le corps des femmes est joli. Vingt-vous. C'est pas tard. Il n'y a pas de match. C'est joli. Si maintenant encore là, on n'est pas tombé, mais là encore, c'est encore plus quoi? Encore plus beau. Yes. Dis amen bien. Ça peut aller? Tous ceux qui ont un sommeil ont arrêté d'avoir un sommeil. Ça, c'est un médicament, ça. Quand on parle de ça, vous tous êtes éveillés. Dis amen. Mais il n'y a pas vous mentir, hein. La plus grande beauté, c'est dans le cœur. Une femme a toute cette morphologie, tout est dressé. Mais si tu es un mauvais cœur, si tu es méchante, tu es culeureuse, tu deviens vilaine devant ton mari. Il va te laisser pour aller prendre une qui est moins belle que toi. Mais il va la trouver plus belle que toi. Parce que ton caractère ternit ta beauté. Le caractère est plus visible que ton physique. Quand tu vis ton mari, ou bien quand tu es avec quelqu'un, ton caractère est plus visible que ton physique. Yes. Alléluia. Oh mon Dieu. Non, c'est pourquoi on dit aux femmes d'être vertueuses. Une femme d'être vertueuse. Ne jamais fais pas la à ton mari. Tu veux qu'on te marie vite? Ou bien les hommes ne veulent pas se marier? C'est quel homme qui veut tout manger autre chose? C'est pas depuis marcher toi là. Il a essayé deux fois où il a fait pas là. Les paroles t'ont fait sortir là. Ça, il ne t'a pas encore marié. Imagine si tu te maries maintenant. Donc il attend, il te regarde. Il attend, il faut rester un peu loin. Parce que les paroles t'ont fait sortir. Lui, il t'a dit, ouais, c'est là. Si. Dis amène bien. Yes. Quand une femme est soumise, elle est encore plus belle. Croyez-moi. C'est ce garçon qui parle. Quand une femme est soumise, elle est encore plus belle. Et puis quand une femme est soumise, tu as envie de lui faire plaisir. Ce qu'elle ne veut pas même. Tu vas partir là, tu vas voir habit, tu vas la payer pour lui donner. Parce qu'elle est soumise. Vous pensez, les chefs, ils ne savent pas souvent qu'ils font des erreurs. Ils savent. Mais toi, tu fais erreur aussi. Mais il n'y a pas un chef au monde qui aime qu'on expose son erreur. Ni qu'on crée celui qui est en erreur. Ça n'existe pas ça. Il n'y a pas un chef. Faut pas me parler. Toi, mais tes enfants. Imagine, tu fais une répète, tes enfants, viens, ils te parlent. Tu as aimé ça? Imagine, tu assises comme ça. Et ta jupe. Et puis ton fils vient et dit, maman, on ne s'assoit pas comme ça. Quoi, c'était bien.
as aimé ça? La manière, c'est vrai, tu t'es mal assis, mais la manière qu'il a parlé là, il n'a pas le droit de dire ça. C'est ton enfant. C'est pareil. Ton mari peut faire des trucs, mais tu n'as pas le droit de lui dire certaines choses. Yes. Dieu dit la vérité. Yeah. Les femmes aiment trop palabre. Souvent tu es assis là, mais tu ne vois même pas où on fait palabre ici. Là. Mais c'est Ramba, il a gardé à longtemps. Hein. Donc elle veut profiter de ça là pour parler. Sinon, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le problème est passé il y a longtemps. Après, maintenant, quand le gars va commencer à sortir seul, tu vas te plaindre. Qu'il ne le reconnaît plus. Donc lui, là, quand tu sortis, tu as le insulté devant ses amis. Aucun homme n'aime ça. Je vous dis la vérité. Aucun homme n'aime ça. Si tu ne respectes pas ton mari à la maison, il va se dire, mais c'est que dehors, tu as fait pareil. Préfère être seul. C'est mieux. Yeah. Et la distance va comme ça se creuser entre vous. Mais quand tu vois respectueuse, t'appelles. Viens ici. Allons ici. Ton comportement a changé. C'est bon. Dis amen bien. Soyez soumise et respectueuse. On n'a pas dit que les hommes sont parfaits. Ok? Ils ne sont pas parfaits. Ouais. Ils ont un gros défaut. Mais qu'on fait comment? C'est des chefs. C'est quoi? C'est les chefs. Vous savez, ça vient de mon esprit comme ça. Il faut que je vous parle. Il y a plus une histoire comme ça. Un jour, il y a un jeune homme qui marchait sa femme. Ils ont duré ensemble. Hein? Mais elle, jalousie et querelle. Ah! Il dit, c'est vrai, lui il déconne souvent. Mais même le jour, il ne déconne pas. Chaque jour. Il suffit qu'il rentre à minuit. Oh, il travaille. Tu viens d'où? Tu m'as trompé. Chaque jour, des palabres à l'emploi fini. Il faut arrêter ça. Des palabres à l'emploi fini. Un bon matin, il dit son travail. Non, non. Elle est sortie. Il a vidé son placard. Lui-même, son placard, quoi. Il a mis ses bagages, juste ses habits. Et puis il a disparu. Donc pour elle, il est parti au travail. Placard est fermé. On ne sait pas, voilà. Il est parti au travail. Elle ne le voit pas aujourd'hui. C'est pas normal. Elle appelle, il ne décroche pas. Bon, elle qu'elle appelle ses amis. Où il est. Un jour, deux jours. Ah! Elle a jamais fait ça. Trois jours. Maintenant, tu qu'elle va ouvrir le placard. Placard est vide. Il est parti. Il a tout laissé dans sa main, cuisinier, tenu. Tu sais, tout ça, ça n'a plus de valeur lorsqu'on fait pas la matin, midi, soir. Il est parti louer une autre maison. Il faut l'avoir pleuré. Je ne peux pas vivre sans toi. Il dit, tu ne peux pas vivre sans qui? Sans moi. Ah, faut pas faire ça. Mais ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Plusieurs fois. Elle lui gifle tout ça là. Il a bloqué. Et il est parti doter. Une autre qu'il a eu, il est parti la doter. Le temps va se rendre compte, doter. Maintenant, regarde. Malgré ça, il était tout derrière lui. Et puis, il lui a dit, bon, ce que je peux faire pour toi, tu peux être numéro 2, si tu veux. Actuellement, la titulaire est devenue la numéro 2. Il est chez lui maintenant, et sa femme, elle est dehors maintenant. C'est chez qui il était là. C'est, de temps en temps, il va coucher avec elle, et puis il vient dormir chez lui. Et sa femme qui l'a doté et qui m'a marié. C'est ce que tu voulais. Non, tu as gros cœur, toi, ce que tu penses, tu dois dire. Toi, c'est comment tu es né. On va faire comment? C'est ça, non? Dieu a demandé ce que tu penses là. Tu dois dire là. Sinon, ton cœur, je te fais mal. C'est pas ça? Ok. Yeah, on a aucun pied de vous parler. Yes. Yeah. Il a laissé tout de sa main. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois. J'ai quelqu'un que je connais qui a commencé à me parler de sa femme. Elle prépare pas. Elle prépare l'heure qu'elle veut. C'est quand elle a faim qu'elle prépare. Oh, il y a tout dans la maison. La maison est sale.
lui, ses habits là, souvent tout se salit jusqu'à il prend un habit sale pour même parfum dessus. Donc depuis la vie, j'ai amené l'envoi ses habits au pressing. Elle ne veut pas laver ses habits. Lui met ses chotocos, c'est lui qui lave. Elle met ses chotocos là, elle met ses chotocos, disons comme ça, ses slip, elle lave pas. C'est attaché dans la maison là comme ça. Elle peut faire 2 mois. Tout est derrière la télé. Quand tu es. On ne mange pas, elle est fatiguée, ah, elle est fatiguée. Il m'a dit, comme elle sait que je suis chrétien et que je ne peux pas la tromper, c'est aussi elle fait ça. Et ça fait longtemps qu'elle fait ça. Elle découche même souvent. Et je conseille de sortir, ça lui dit. Hein. Et puis elle dit, mais quand toi tu sais si tu me dis, oh, lui, c'est au travail. Donc elle sort, elle est partie à Yamsoukro. Il dit, lui, il est assis, 19h21, il attend sa femme qui est venue préparer. Donc il fait un tour sur Facebook, il voit sa femme, elle fait une vidéo, et elle aime son coup. Elle était jouer au golf. Elle déjà. Donc il appelle, et puis c'est là, il va lui dire, ah, je ne peux pas entrer. Hein? Que je suis venu, une amie, il a fait un truc là, bon, on n'a pas le temps, on pensait qu'on avait fini tôt, on n'est pas fini. Elle est là-bas. Il m'a dit un truc qui m'a choqué. Il dit, regarde, je vais la choquer. Il faut un message fort. Parce qu'il a tout fait. Un jour, il a quitté la maison 2 semaines. Elle a pleuré, mais ça ne lui a pas servi de leçon. Mais cette fois-ci, il faut un message. Moi, je lui ai dit, mais quel message? Il dit, non, il faut un message fort. Pour qu'elle comprenne. Il dit qu'un jour, elle veut lui prêter mon enfant, qu'elle fait dehors. C'est là qu'elle va comprendre. Quand elle veut lui dire que, voilà mon enfant, il y a une deuxième famille. C'est ça, elle va comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Yeah. Oh, yeah. Ah, c'est choquant, non? Et puis, tu informes que maintenant, vous êtes deux. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, il est là-bas. Vendredi, samedi, dimanche, il est ici. Tu as vu quoi? C'est ton comportement. Un jour, un ami est venu chez lui. Il a dit, mon frère, il ne voulait pas te parler. Une semaine après, il a dit, Yann, tu es dans le bâtiment, pardon, chez toi, il faut revoir. Ça sent. Et c'est tout vilain. Pourtant, il a l'argent. Elle est sale. Mais il dit que la douche, on lave ça chaque 6 mois. Elle lave la douche chaque 6 mois. Il dit si elle parle, tu crois. Il dit c'est moi qui vis ça, non. Il ne sait pas que tu es menti. Elle lave la douche chaque 6 mois. Et en plus, elle ne donne pas. Elle ne donne pas. Elle peut dormir nuit comme ça. Elle peut dormir nu comme ça. Mais comme il est fâché, il a enlevé le climat, elle dort trop. Donc, il vient de partir payer 2 ventilateurs. Il y a un devant, il y a un derrière, et un au milieu. Et comme il fait chaud, elle dort nu. Voilà, fais cela. Il dit, mais c'est le bonheur. Il dit, il faut la toucher, tu vas voir. Faut toucher fesse là, tu vas voir. Si tu veux bien donner, mais ta main là, par hasard, toucher fesse là. Ils vont lancer ça comme ça. Il dit dans ton coin. Donc il dit maintenant, mais elle a fait que maintenant même là. Même quand elle est nue devant lui, ça lui dit rien. Elle est en train de gâter sa vie comme ça. Et elle pense que non. Écoute-moi très bien. Dieu pardonne tout. Un bon matin. Et c'est pas à qui il parle. Mais change ton comportement. Est-ce que vous savez qu'il y a un de nos missionnaires qui a remplacé sa femme? Alors, mon comportement.
On a beau parler. Regarde, il n'y a pas d'autre entre eux, il n'y a rien. Il faut la voir. Palabre. J'ai flé. Il n'y a pas à vous mentir. Hein. On peut gâter les femmes, on peut gâter le nom des femmes de l'Ouest, mais les femmes Yakuba, elles savent gérer Marie. Moi, je vous dis la vérité. Les femmes Yakuba. Non, c'est pas rien. Moi, j'ai eu amis Yakuba, j'ai femmes Yakuba, j'ai des filles Yakuba. Je vois les foyers. Non, elles s'appellent garçon. C'est vrai qu'elles ont souvent leurs trucs, mais. Non, elles savent. On ne peut pas atteindre la perfection de quelqu'un. Mais elles savent. Non, elles savent. Il y a même les femmes Yakuba. On doit aller après ça à la naissance. Quand elles sont petites. Femmes Yakuba. À moins qu'il y ait un démon entre elles. Non. Elles savent. Je vous dis la vérité, la fille de l'Ouest là. Mais quand c'est Yakuba, Guéret, qu'elles veulent bien. Elles sont. Non, elles savent. Elles connaissent foyer. Elles connaissent. Mais si on veut chier, qui va garder la diarrhée? On va garder un chien bien là-bas. On dirait que ma maison, c'est fait ça. Je n'ai pas dit les autres femmes. Non, non. En fait, je n'ai pas dit que les autres sont méchantes. J'ai dit, c'est comme on les connaît. À ce qui concerne les autres, je n'ai pas encore vu. Mais j'ai vu foyer. Moi, mes mari Yakuba, j'ai des filles Yakuba et j'ai eu ami Yakuba. Quand il y a ami camarade de classe, qui aujourd'hui, qui a, de toute façon, il prenait son homme, il a vu. Elles savent. Les choses ne font pas. Amen. Si. Dis amen bien. Quand il y a mort, on parle de tout dedans. Qui est béni? Yeah. Quelle femme est bénie là? Les femmes, vous n'êtes pas béni à ce message là? Yes. Alléluia. Dis amen bien. Dis amen bien. Amen. Tu sais, je vous dis quelque chose. De vous parler de mes pères. C'est pas pourquoi je. Les femmes, vous êtes plus. Belle quand vous êtes naïve et innocente. Une femme est plus belle qu'elle est naïve. Je vous dis la vérité. Quand une femme est naïve là, elle est plus belle. Qu'elle ne se joue pas les connaisseuses. Je connais ce que tu fais là. Je vois ton dos. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est un petit truc, je connais. Tu mets ça. J'ai dit, tu deviens vilaine. Une femme qui est naïve, elle est belle. C'est comme les enfants. Qui aime les enfants? Est-ce que vous savez que le bébé qui est là, tout le monde aime les bébés? Pourquoi vous les aimez? Ils sont innocents. L'innocence, ça fait que tu deviens jolie. Quand une femme est là, même tu peux voir le truc. En fait, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que ça me dit. De quoi tu me parles là? Non! Ton mari peut venir tard du boulot, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut quoi? Rien dire! Moi je connais mes amis parce que lui il rentre toujours à 3h du matin. Toujours à 3h du matin. Il est au travail, il fait les réunions. Ça ne veut rien dire. Je connais des soeurs. Votre mari a tout suivi, qu'on appelle téléphone. Vous n'avez pas dit qu'il n'a fait. Non, ça ne veut rien dire. Et il a fait quoi? Ça ne veut rien dire. Amen. Ça peut être utile de travailler dans sa main. Nous, on travaille beaucoup les téléphones. La dernière fois, j'ai conseillé une de mes filles là. Elle dit quand son mari dort, elle fouille. Il dit mais ça, c'est un mauvais esprit. Ça, c'est un très, très mauvais esprit. Bon. Elle fait. Quel est le point? Tout ce qu'ils ont dit, ça te rend faible. Sixième point. Être chrétien fort, c'est être mûr
Éphésiens 4, 14. Il a mangé? Il a mangé aujourd'hui? Attends, il y a pour un peu ce jus. Ah, une fois qu'il y a cette sauce là, il y a le courage d'aller loin. Ah, il est déjà 14h. Wow. Attends que tu es forcé, attends que tu es mûr. Allons-y, un que tu es mûr. Quelqu'un lit? Oui, un que tu es mûr. Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous savez, l'immaturité, c'est quoi? Tu es immature. Immature, ici. Tu es immature. Qu'on doit courir derrière toi toujours pour venir à l'église. Tu es immature. Quand on doit courir derrière toi toujours pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es immature. Quand on doit tout courir derrière toi pour que tu payes dîme. Tu es immature. Quand on doit courir derrière toi pour que tu sois dans un département à l'église. Tu es immature. Quand tu n'es pas organisé. Tu es immature. Quand tu ne comprends rien dans la vie chrétienne. Tu es immature. Quand tu passes ton temps à critiquer les pasteurs, c'est l'immaturité qui fait ça. C'est quoi? L'immaturité. Donc la montre n'est pas là. Non, non, 20 ans, c'est à l'heure. Ok. Donc, soyez mature, vous avez compris? Vous avez compris? Yeah, soyez mature. Et l'une des petites prêtres mature, il faut beaucoup lire la Bible et beaucoup écouter les messages chrétiens. Et beaucoup m'écouter aussi, j'ai devenu mature. 7. Être un chrétien fort, c'est être toujours zélé dans les choses bonnes. C'est être toujours zélé dans les choses bonnes. C'est un tout jeune. Galates 4, 18. Galates 4, 18. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Galates 4. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Être un chrétien fort, oui, être un chrétien fort, c'est porter des fruits. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Yes. Ce n'est pas vous qui
m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Yes. Donc quand tu parles de fruits, ça prouve que tu es fait. Quand on parle de fruits ici, de quel fruit on parle? Il va montrer les fruits. Un, tu as réussi à évangéliser quelqu'un, il est venu à l'église. Ça c'est un fruit. Un autre fruit, tu as réussi à faire de lui un disciple. C'est-à-dire qu'il est devenu disciple et que lui aussi, il peut maintenant évangéliser pour gagner des disciples. Ça c'est un fruit. Deux, tu as réussi à mettre une cellule en place où on t'a confié une cellule et puis la cellule tient. Elle grandit, c'est un fruit. Toi, on t'a donné une église. Tu as réussi à grandir l'église. Tu as bâti, ça c'est un fruit. Maintenant, tu as bâti l'église. L'église est devenue grande. Tu as même construit, ça c'est un fruit. Maintenant, en plus de ça, tu as construit, quand tu as construit, puis tu envoies encore d'autres personnes de ton église qui deviennent d'autres membres, membres de la même église, mais en annexe. Ça, ce sont des fruits. Vous voyez, quand on parle de fruits, on parle de choses spirituelles. Amen. Un des fruits, c'est quoi? Un des fruits, c'est par exemple, tu étais colérique. Ah, c'est le fruit pour les chrétiens. Tu étais colérique. Maintenant, tu n'es plus colérique. Tu as porté un fruit. Avant, par exemple, tu étais impudique. Tu ne pouvais pas faire. Un jour, les gens pensent que c'est les hommes seulement qui sont impudiques. Les femmes, il y a plein qui sont impudiques. Un jour, à la télévision, il y a une femme qui a appelé pour dire une femme, une fille ne peut pas faire une semaine sans coucher avec un homme. Toutes mes gens sont réelles. C'est la même qu'elle dit. Elle dit, une fille ne peut pas faire une semaine sans coucher avec un homme. Là, elle parlait d'elle. C'est qu'elle dit, c'est pas vrai. Mais elle parlait d'elle. Et elle a fait comme ça. Maintenant, tu étais impudique avant. Tu ne peux pas faire une semaine sans coucher avec un homme ou une femme. Maintenant, tu peux faire un an, deux ans. Tu as porté des fruits. Avant, tu ne peux pas faire un jour sans mentir. Maintenant, là, tu ne mens plus. Tu as porté des fruits. Avant, là, tu ne peux pas prier 30 minutes, maintenant tu pries une heure, tu as porté un fruit. Avant tu n'aimais pas faire de Dieu là, maintenant tu aimes à faire de Dieu là, tu as porté un fruit. Si, tout ça c'est les fruits que tu portes. Avant, ta maison était là, mais ce n'était pas cellule. Tu as fait tout pour qu'il y ait cellule chez toi, ça c'est un fruit. Avant tu n'étais pas dans un département, maintenant tu es dans un département, puis tu es intégré, ça c'est un fruit. Tu comprends? Il y a par exemple, le fait que ma fille là, rappelle-moi ton nom ma fille. Angèle a pu venir de Dallois pour venir ici, c'est un fruit qu'elle a été portée comme ça. Tu vois, parce qu'elle ne faisait pas ça avant. Mais elle est en train de faire ça. C'est un fruit qu'elle est en train de porter. Yes. Chaque fois que tu fais de bonnes choses pour le royaume de Dieu, tu es en train de porter un fruit. Ça peut aller? Yes. Même dîme. Tu n'as jamais donné 10 000 à Dieu. Bon, on fait un exemple. Qui n'a jamais donné 100 000 à Dieu? Mais qui a touché ça là? Hein? Comme ça. Hein? Qui n'a jamais, soyez honnête, hein? Qui n'a jamais donné 100 000 à Dieu? Il y a beaucoup, hein? Oh, vous? Tu n'as jamais donné 100 000. Il n'y a pas d'un coup, hein? Soyez un peu, à tout le monde a donné, hein? Un coup. Waouh! Qui n'a jamais donné 50 000 à Dieu? Jamais donné 50 000. Vous, comme ça, le jour où vous donnez 50 000, c'est un gros fruit que vous avez porté. Qui n'a jamais donné 10 000 à Dieu? Fais tout, tu as donné 10 000. Qui n'a jamais donné 15 000? Et non, 20 000. Fais tout, un jour, tu as donné 20 000. C'est des fruits. Le jour où tu as eu une grosse entrée, là, tu dis, non, mais sacrifice, vas-y, là. Ça n'est jamais donné à Dieu. Yeah. Moi, ce qui n'est pas encore donné à Dieu, peut-être 2 millions. Non, il y a rien 2 millions. Oui. Il n'y a plus de payer la parole de l'église. Actuellement, les gens ont rêvé les 4 millions, les 5 millions. Deux jours, il a fait une prière. Il a dit, Dieu, bénis-moi, il a fini l'école là. Pendant la fin de la fondation. Il a dit, bénis-moi, il a fini l'école là. Si Dieu m'a béni, j'ai fini l'école. Mais aussi, je dois finir ma maison. Mais Dieu a fait grâce.
Yes. Hein? Tu sais, les hommes qui ont la foi et les hommes qui n'ont pas la foi ne parlent pas de la même manière. Les hommes qui ont la foi et les hommes qui n'ont pas la foi ne parlent pas de la même manière. Quand elle finit de construire, c'est elle qui a dormi dedans. Elle est ici, c'est elle est ici dans son affaire, mais le terrain. Faut pas que tu as fait, on va construire. Papa, tu n'as besoin de terrain maintenant. Ah. Il fait quelle heure? La vie à voir. La vie à voir. Le mot là, je crois, c'est main et quoi même. Neuf. Être un chrétien fort, c'est être prêt à rencontrer Dieu à tout moment. Amos 4:12. Être un chrétien fort, c'est être prêt à rencontrer Dieu à tout moment. Yes. Être un chrétien fort, c'est être prêt à rencontrer Dieu à tout moment. Amos 4:12, quelqu'un dit. Yes. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Hey, hey, le micro, viens prendre. Arrête avec lui. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. La question est ici, là. Si aujourd'hui tu meurs, est-ce que tu es, si Jésus vient aujourd'hui, et tu es prêt. Amen. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas faux. Ouais. Est-ce que s'il vient aujourd'hui, là, tu es prêt à partir? Non, tu n'es pas faux. Non, tu t'es affaibli. Quand tu es fort, tu es prêt à tout moment. Tu es prêt à tout moment. Amen. Tu es prêt à quoi? Papa Ben a dit à Bishop Paul, lui a dit, le conseil qu'il te donne, fais comme si chaque jour de ta vie, c'est le dernier jour de ta vie. Fais comme si chaque jour de ta vie, est le dernier jour de ta vie. Encore, c'est le message en pratique. Fais comme si chaque jour de ta vie est le dernier jour de ta vie. Donc, quand tu confies, tu fais bien faire. Comme si c'était le dernier jour. Parce que je suis quelque chose, je te dis que tu mets par exemple dimanche à. Mais tu as le plus saint au monde. Il va te gifler dans la rue, mais tu as dit, tu es béni, mon frère. Je t'aime. Hein, c'est faux. Je suis sûr que les gens qui vont dire offrande, ils n'ont pas encore dit frande. Tu es devant ici. Tu as vidé ton compte même pour donner. Parce que tu t'es dit que tu sais que tu t'en vas. Donc, si tu peux vivre comme ça chaque jour, tu vas aller loin, le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je pense que. On a reçu beaucoup. Qui a reçu beaucoup? Non, qui a été vraiment béni? Qui a été vraiment béni? Attends pour sa main le Seigneur.
Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à devenir fort. Aide-moi à devenir fort. Aide-moi à devenir fort. Dis Seigneur, aide-moi à devenir fort. À devenir fort. Dis Seigneur, aide-moi à avoir une vie chrétienne plus profonde. Aide-moi à être affermi. Aide-moi à être inébranlable. Aide-moi à devenir spirituel. Aide-moi à être sanctifié. Aide-moi à être mieux. Aide-moi à être toujours zélé pour les bonnes choses. À être plein de zèle. Aide-moi à porter des fruits. Aide-moi à être prêt à rencontrer Dieu. Dis Seigneur, je suis faible. Aide-moi. Aide-moi. Prie le Seigneur. Makarabo, Chatabra. Là où on est faible, aide-moi Seigneur. Là où on est faible, donne-moi la force. Là où on est faible, aide-moi Seigneur. Là où on est faible, aide-moi Seigneur. Marabadabo, Chatabra. Ledebo, Sikarabo, Sharabo. Baradu, Zatu, Lakuta, Luazua, Zazazia. Ledebo, Chetebo, Pivri. Makarabadabo, Sharabaraba. Je reconnais que je suis faible. Aide-moi Seigneur, rends-moi fort, rends-moi fort, rends-moi fort pour bâtir sans église, rends-moi fort pour que cette année on bâtisse sans église, rends-moi plus fort pour qu'on ne soit pas ébranlé, rends-moi plus fort, rends-moi saint, rends-moi Seigneur spirituel, rends-moi inébranlable, rends-moi enraciné, rends-moi papa, Macarabosa, pour porter des fruits, pour porter des fruits cette année, pour qu'on porte sans église cette année. Cette année qu'on est sans église. Donne-nous le sans église. Rends-nous fort, Seigneur. Rends-nous fort. Là où je suis faible. Rends-nous fort. Là où un membre de vie est faible. Rends-nous fort. Rends-nous fort, Seigneur. Marabadabos. Le clé de Bossi. Barados, il a beau. La cadabos, Shabaraba. Dieu, nom de Jésus, là où j'étais faible, je deviens fort. Là où j'étais faible, dans la vie spirituelle, dans la vie physique, dans la vie sociale, quel que soit, là où Satan me dominait, là où la chair me dominait, je prends le contrôle, je prends le dessus, je renverse les appels qui m'ont affaibli, je renverse les démons qui m'ont affaibli, je renverse la chair, je la nie, je l'arrête, je prends le contrôle, je deviens fort, puis vivre, rabadabou, chatabra, Le nom de Jésus.